Ah, c'est dans quel sens que je dois mettre la bouche? Ah. Oh, you have fun. Thank you, Tobias. Bonjour à tous. Bienvenue sur Tropico 6. Yes, oui. El Presidente. Bisote. Nous allons jouer à Tropico 6, donc en bêta privée. Le jeu sort en janvier. J'ai quelques clés à vous faire gagner. On va découvrir tout ça ensemble. Ça va être fabuleux. Kiri Gouté, merci pour les 300 tips. Je suis en train de mourir de chaud. Alors, les options. Déjà, ça m'a l'air beaucoup mieux foutu que le dernier. Parce que le dernier Tropico, le 5, était sorti en 2014. Ok, direct. 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 Il est sorti quand exactement? Quel jour? Le premier qui répond, il gagne une clé de bêta. Boum. Hop. Hop. Alors, pas le jour, la date. Hein. La date de sortie de Tropico 5. Le premier qui répondra aura une petite clé. Ah, c'est 21. Non, mais c'est, vous dites de la merde. Déjà, vous êtes en train de dire... Max, je t'ai mis modo. C'était le 23 mai 2014, fantastique. Ah, c'est un début de live. Maxou, je vais te filer des clés. Je sais pas combien j'en ai. Tobias, how many keys did you give me? Ah bah, I have one more there. Fantastique. He gave me 5 keys. No, I'm not sure. Wait a minute. Because I am a dictator multilingual. I can speak English, I can speak Spanish, I can speak... every language you want, my friend. Yes, my friend! You are my friend. You are not my friend, my brother. Je sais plus ce que c'était. Alors attendez, que j'envoie juste ça, comme ça ensuite, Maxou va vous les filer. C'est la mission de Max. Max qui est mon monteur vidéo, vous le savez. Le meilleur. Hop, tiens, il a reçu une chier de clé. C'est parfait. Bon, j'en ai 4 à vous faire gagner. J'aurais espéré que ça soit mieux, mais... Comrade! Comrade! Maman, cet anglais, il est full language, El Presidente. Ah bah, vous êtes pas tombé sur le pire président, ça je préfère vous dire. On est en plein écran fenêtré, clac, 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 on est tout en élevé. Et ben, nous allons pouvoir faire une nouvelle partie. Comme une visite, Tropico. Tropico 6. Je suis un vieux de la vieille. Sub seulement ou tous? Oh non, tout le monde, tout le monde. Oh, j'en ferai, je dirais peut-être une pour les subs. Allez, abonnez-vous. Alors, bienvenue. Oh là là, ça va être compliqué ça. Oh non, ils ont customisé. Parce que c'était un peu cheapo, ça, avant. Bienvenue Presidente, avant de vous présenter devant les fiers citoyens de Tropico, vérifiez votre tenue. Il est toujours important que la première impression soit bonne. Oh, ils ont bossé un peu là. Ils ont un peu bossé, c'est pas mal. Homme, tenue, on a plusieurs tenues, mafia. Oh, je peux être un pirate. Tenue académique, pharaon. Oh putain, j'aurais grave. Empereur romain, ne tenez pas d'élection pendant 20 ans dans une ère post-coloniale. Disputer simultanément. Oh là là, mais c'est quoi? Terminer la mission roi des pirates. Oh bah je vais être en... Non mais moi j'ai envie d'être en... Oh, je peux être en tout, fais-le à ton image. Merci Arzouk pour le sub. Bah bienvenue à toi et merci Valbox aussi pour le sub. Ah, j'ai envie de le faire en full mafia. Cigare va rien? Attends, je vois rien là. Pas d'accessoire? Ah mais je clique sur tout moi. Bah si, il me faut un accessoire. Non mais après j'ai envie de faire un costume de l'armée. Non, j'ai envie de faire un petit costume de l'armée. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut partir en gros bandana des familles, hein, tu vois. À n'importe quel moment, exact, j'ai pas eu le choix. Tenue Wakanda. Touriste hawaïen. Non, non, on fait comme ça. Barbe. Oh, le pharaon. Oh, le pharaon. Oh, Funny Babe. Funny Babe. Oh, on peut... Ah, ils ont... Eh, mais ils ont bossé. Oh, ils ont bossé, les cons. Ah non, parce que je savais pas s'ils avaient bossé ou pas. Ah non, ils ont pas sorti de la merde, je pense. Ah, ça, c'est moi, ça. C'est parfaitement moi, ça. Typique... Ah, y'a que hispanique. Ah non, tu peux faire asiatique, caucasien, sombre. Alors, je suis désolé, mais l'appellation sombre... je sais pas où ça en est, hein, niveau ligue contre le racisme, mais l'appellation sombre... Est... Je vais faire hispanique, moi. Alors... Blanc ou blanc? Non, on va se mettre comme ça. Bird color. Oh non, non, c'est bon. Moi, c'est bon comme ça, là. Parfait. Super. Sublime. Je vais là. Normalité absolue. Ah, oh, parce que tu peux faire ta différents traits et tout. Alors, tu peux être normal, tu peux être manipulateur. Alors, c'est pas mal, ils ont bien fait. Hein.
honnêtement, honnêtement, ils ont fait un truc qui est plutôt bien. Rien ne vaut une bonne excuse. Pendant votre carrière politique, alors je peux être chien battu. Pendant votre carrière politique, vous avez réussi plusieurs fois. Vous avez réussi plusieurs fois, Oh, c'est la bêta. À vous en sortir par une pirouette et vos regards de chiot. Non, je suis pas un chien battu, moi. Bon, pas faire ça, moi. Manipulateur, vous parvenez toujours à obtenir ce que vous voulez. Et tous ceux qui affirment que vos méthodes sont peu orthodoxes sont de vils manipulateurs. Oh là. Oh là, tu vas pas changer ton nom. Ouais, mais c'est pas encore maintenant, je pense. Tu vois, El Presidente. Ah, je suis juste. Ils me reconnaissent, quoi. Ils me reconnaissent en tant que tel. Corrompu. Bah non, charismatique. Oh, c'est pas mal, ça. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de vous apprécier, même quand vous signez leur arrêt de mort. C'est sans doute votre façon de sourire. Oh, mais c'est comme dans le stream. Hein. C'est la même chose. Salut, Dimitri. Augmente votre réputation auprès de toutes les factions. Le manipulateur, c'était quoi le gain de réputation obtenu? En faisant l'éloge d'une faction dans un discours électoral et augmenté de 25%. La dégradation des relations avec une superpuissance qui se produit après lui avoir demandé une aide financière est diminuée de 10%. Faire l'éloge d'une superpuissance améliore les relations avec celle-ci. Oh, faut sucer, quoi. Prodige de la spatialité. Ah, oh, je sais pas, moi j'hésite. Hein. Là, je n'ai même pas sur ton live. C'est normal, il se repose. Je veux dire, c'était pas facile. Aucun effet. Pyromane, c'est quoi? Il y a un reste de 10% que les bâtiments prennent feu après la visite d'El Presidente. Oh bah c'est de la merde ça, c'est un malus. C'est un malus de ouf. Corrompu, tous les paiements à votre compte en Suisse augmentent. Ah. Oh mon AE, merci beaucoup. On va faire charismatique, allez. On augmente la réputation de toutes les factions et les relations. Les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes, on fait ça. Alors ça c'est, on peut construire, on peut configurer exactement c'est quoi notre palais. On va le faire original. Oh, il y a une petite vue, c'est pareil. Oh le palais en 3, moi j'aime bien. Moi, le palais en 3, j'aime bien. C'est pavé irrégulier, sinon c'est des pavés. Un peu d'herbe, un peu de gravier, tapis rouge. Tapis rouge, toujours plus. Oh non, c'est déverrouillé, c'est verrouillé. Oh. Mur de briques. Extension du toit. Ah bah, petit héliport, petit héliport, petit héliport. Petit jardin de terrasse. Oh ouais, là, je suis bien, là. Petit jardin. Oh, mais je suis bien. Bac à sable, non, ça fait chier, bac à sable, non. Bassin de flamant rose. Ah, petite piscine. Ah, on est présidenté, mais à la cool avant tout. Ah, on sait recevoir. Ah, gros. Ah, ça. Statue d'El Presidente, partout. Ah non, c'est verrouillé. Des pots de fleurs. Pots de fleurs, ça fait un peu coince-man. Non, non, bannière. Ah, des bannières du drapeau. Déco moyenne. Et à fleurs. Non, n'en faisons pas trop. N'en faisons pas trop. Oh. Une statue d'El Presidente. Fontaine magique. Rocher. Ah, cerisier. Pour nos relations avec le Japon. Alors, ton monteur gueule, il veut le chat sur le screen. Tiens, là, le chat. Je l'enlève? Je fais quoi? Je l'enlève le chat? N'en faisons pas trop une statue. Ouais, c'est pas mal quand même. Voulez-vous quitter? Bah non, mais j'ai l'impression d'avoir fini. Est-ce que... C'est... Moi, je pense que je suis bon, là. Mais t'as rien pour confirmer, tu sais, en mode... c'est validé. Enlève, il apporte rien. Voilà. J'aime bien sur Domingo Replay que les gens puissent... Parce que je parle beaucoup à vous, donc parfois ils sont du père les gens. Ils sont en mode, putain, mais qu'est-ce qu'il dit ce connard? Ah, il dit ça. Et ça me fait mal. Je quitte là, du coup? Voulez-vous quitter? Attendez, parce que j'ai... moi, je suis le genre de cassos parfois où je quitte et... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est du presidentaire. Hein. Bon, on quitte. J'ai peur, ça me... C'est bon? Le saviez... Oh, bah... Mission. Alors, il y a plusieurs trucs. Nouvelle partie. Didacticiel. Merci de participer à la bêta privée de Tropico 6. Ouais, mais là sur ce jeu, c'est devant les fenêtres de jeu. Ah ouais, c'est chiant du coup. Ta 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 ta. Alors, on partage, on fait tout ça. Didacticiel. Oh merde, on va pas faire le didacticiel, je pense. Est-ce qu'on skip le didacticiel? Parce que j'ai déjà... Mais il y a peut-être plein de nouveautés. On m'a dit qu'il y avait plein de nouveautés. Ou alors on le fait? Parce que sinon ça va être long quoi si on le fait. T'es déjà un pro. Ouais. Il y a pas mal de nouveautés. Oh, il y a full truc les gars. Skip full découverte. C'est plus fun de découvrir par toi-même. Oh mais je vais galère. Mais vas-y attends, on skip. J'aurais dû le faire hors live. Le con putain, j'aurais pas dû jouer au foot avant. Allez on... Non, je vais au menu principal. On va jouer direct. On est des bonhommes. On va rien comprendre. Tu vas être perdu et ça va être tiltant. Ouais! Il a une bonne vision!
Non, non, c'est un nouveau jeu, on découvre. Vas-y, on découvre, on découvre. C'est les nouveautés aussi, hein. On sort les doigts, là, hein. Passer à une nouvelle ère de nouvelles opportunités. Oh, j'ai chaud. Peut-être enlever mon... Ah, oh, après, il y a beaucoup de soleil ici, putain. Ah, oh, fait chier. Ah, ouais. Oh. Oh, une mouette. Oh. Eh ouais, les gars. Eh, cours Florent. Mais c'est même pas la bonne caméra, putain. Fais-le, c'est un nouveau jeu, découvre. Mais oui, on découvre, on découvre. Salut, Domingo. Salut à toi. Bienvenue. Bienvenue, incroyable. Tu as remis le didacticiel. Ouais, ouais, parce qu'il fallait. Alors. Vous êtes El Presidente, le dictateur de Tropico. Non, parce qu'en fait, c'est pour voir les nouveautés. En fait, l'avantage, parce que là, c'est une version bêta du jeu. Le vrai jeu sort dans 3 mois, si jamais vous n'avez pas compris. Donc, il y a marqué version bêta. Il y a pas mal de nouveautés qui vont être mises dans le jeu. Le but est de les découvrir. Et en fait, ça va être hyper tiltant si je joue directement et qu'on capte pas les nouveautés parce que bah, y a plus les aides, quoi. Vous allez construire, vous étendre, commercer et promulguer des lois pour aider Tropico à traverser 4 époques agitées, durant lesquelles vous devez aussi gérer vos relations avec les superpuissances internationales et les factions politiques de votre nation. L'histoire se rappellera-t-elle de vous comme d'un leader bienveillant qui chérit son peuple ou comme d'un dictateur à la poigne de fer? Quel que soit votre choix, le principal est de rester au pouvoir. Hola, président. Ah, je l'ai mis, il m'a manqué. C'est moi, votre loyal penultimo. Avec un petit exercice de rappel pour votre puissant intellect. Une formalité, bien sûr, pour quelqu'un d'aussi brillant. Gracias. Alors, le plus glorieux des politiciens se doit de rester au contact du métier. Montrez-nous quelle méthode vous comptez utiliser pour imposer votre volonté sans faille à la nation de Tropico. Penultimo est prêt à avoir le souffle coupé. J'accepte. Oh, pas mal. Par contre, ton monteur est toujours le chat à gauche. Ah ouais, toujours. Là, là, comme ça, là, discrétos. On peut le faire, hein, on peut le faire. Alors, il vous a présenté une tâche principale que vous devez accomplir pour terminer la première leçon de didacticiel. Les tâches principales sont automatiquement acceptées, bien sûr, ça on connaît. Voilà la première tâche du didacticiel à accomplir. Vous devez terminer toutes les tâches de ce type pour réussir la leçon. Comme la tâche principale, les tâches de didacticiel sont automatiquement acceptées et affichées dans la liste des tâches. Néanmoins, vous pouvez consulter toutes les tâches et leurs objectifs sur l'écran des tâches. Suivez maintenant les objectifs un par un. Il y a énorme, mais ils ont... J'ai l'impression d'avoir dit 70 fois le mot tâche. Là, dans 10 phrases, hein. Mais eh hey. Eh oh. Hein. Ouvrez l'écran des tâches. Ah oh, boum, tâche accomplie. C'est pas ça, voir les tâches. Ouvrez l'écran des tâches. Ok, j'avais pas capté l'écran des présentations de la tâche. Voilà, on est bien là. Là on est bien. La première étape pour devenir le plus grand des dictateurs consiste à apprendre à... Oh ouais non, ne vous faites pas ça. Moi je vous fais du... Oh. Hop, 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 hop. Zoom incliné, clac, 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 clac. Hop, 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 hop. Hop, je suis en quête terminée, tu vois, je travaille, c'est la vision avant tout. Hop. Et là, tu reviens, parfait. J'aurais peut-être dû faire les tâches après. T'as jamais dit autant de fois de tâches de ta vie. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant pour l'instant. Terminer toutes les tâches. Activer la vue de l'archipel, désactiver la vue de l'archipel. Oh. C'est bien ça. Suspendez le temps, relancer le temps de la partie. Utiliser la vitesse x4 du jeu. Hein? Mmh. Je suis tellement fier de vous, président. Vous avez le contrôle absolu de Tropico. Il avait changé. Il avait me mettre ici. Que piensas? De aquí. Penso que es muy, muy, muy bueno. Les citoyens font tout ce que vous leur dites, président. Je suis le boss. Je suis le boss. Personne n'est aussi loyal que Penultimo. Ah voilà, boum, écran de tâche. Sélectionnez le bureau des routiers et consultez sa description. Alors. Si vous souhaitez être le grand directeur, la manière, les docks, les bureaux de routier sont vos moyens. Donc ça c'est le classique ça, c'est comme Tropico 5 et tout. Donc là on voit la description. Oh ça a changé quand même. Sans bureau de routier, il est impossible de déplacer des marchandises, parfait. Et là, c'est juste pour savoir ce que c'est quoi. Non ça j'ai cliqué sur le baraquement. Putain le pire mec. Bureau des chantiers, c'est là. Les ouvriers de chantier se rendent. Doc. Toutes les îles de Tropico, les cargaisons. Ouais ça c'est, on connaît ça. Il a de la gueule le palais, t'as vu? Connecter la mine à une nouvelle route connectée à la route existante. Alors, est-ce que c'est les mêmes binds? Hop, direct, clac, tu vois, le gars... Ah, c'est là. Le gars surf, hein, quand même. Oh, c'est mieux fait. C'est beaucoup mieux fait. Une route peut être placée. Ah, bah, j'y vais. Attendez que le prochain cargo exporte des marchandises. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau truc qu'on peut détruire? Nourriture. Ah, pour l'instant, on n'a rien. C'est le début. C'est mieux fait, quand même. C'est plus enjoué, tu vois. Même la population, le soutien, tout est plus graphique. Parfois, c'était un peu moche. Hein. Vas-y, on va se mettre en... Il y a quoi d'autre? Ah, il faut juste accélérer, là.
Alors, faut juste, on va passer en x4, les gars, tranquille. Faute de frappe sur les vitesses, il a un R. Que dis-tu? OMG le cosplay. Oh, ça bosse, hein. C'est lui, non, qui fait de l'or. Attends, on fait pas d'or, non, depuis le début? C'est stylé, quand même, hein. La vue de l'archipel et tout, j'aime bien, hein. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça vraiment nice, tu vois. Ça, ça m'aide à me mettre dedans. Mais je fais pas d'or, là. Si, je fais de l'or. Je crois que vous pouvez accélérer le passage. Ça serait être actuellement indiqué en permanence en haut à gauche de l'écran. Prochain quart d'heure, soit l'argent sera ajouté à votre trésor. Chaque fois qu'un quart d'heure arrive, un message arrive. Ok. Ouais, c'est bon. Il faut juste accélérer le temps, du coup. On attend l'or. Ça devrait être dans les tâches. Mais les tâches, c'est important. Je sais pas si vous saviez. Vous consultez souvent les tâches, vous? La map est petite. Non, mais là, c'est le didacticiel. Mais alors moi, pour être totalement honnête avec vous, il m'est déjà arrivé de... Regardez, un bateau. Il est un bateau. Si, mais il y a doute que même vous puissiez le soulever. Bon, moi, je veux les nouveautés, là. Construire un bâtiment de type taverne. Ah bah ça, il y avait peu, ça. Ah bon, on met en foin. On peut toujours faire clic droit, ouais. Taverne, petite taverne. Regardez un peu cette... Regardez-moi un peu comment c'est beau, là. Comment j'avance, déjà? Je suis en... Ah ouais, je suis en azerty. Oh, vie de merde. Hop là. Oh. C'est moins facile pour se déplacer, quand même, hein. Pin. Je trouve ça plus beau, graphiquement, que l'ancien. Bon, ça construit, comme d'hab. Là, on se fait... C'est la musique du jeu. Ah bah, bien sûr. Ah, c'est une ambiance. Honnêtement, si vous cherchez des jeux ambiance, c'est un jeu ambiance. Construisez un bâtiment de type tannerie. Il faut faire une tannerie et ensuite faire du cuir. Oh, moi, je pense que j'aurais été capable de tout comprendre, quand même. Après, c'est vrai que... C'est vrai que je suis particulièrement développé dans tout ce qui est jeu de gestion, dans tout ça. J'ai une compréhension des jeux qui... Bon, pour l'instant, on se fait chier, c'est normal. C'est normal. Ne vous en faites pas. C'est le principe du didacticiel. On veut juste voir ce qui a changé pour pas que ça soit tiltant. Et là, on va produire du cuir. Qu'est-ce qu'ils ont, les cons, là? Qu'est-ce que c'est que ce petit stock vide? Comment je... Tannage au chômage. Efficacité. Mais non, c'est bon, on produit. Je savais que vous parviendriez à donner des ordres. Tout tourne autour des produits. Produire pour fabriquer, produire pour transporter. Ouais, il faut produire. L'argent, c'est bien. Vous savez ce qui est mieux. Là, on est en gestion. Il nous reste deux tâches. Il nous reste deux catégories. Active. Avactif. Cuir route. Avactif cuir route. C'est toujours le même mec qui fait les voix. Ah bah ouais, lui, il est... Alors, du coup, ça, c'est le commerce. Ça, c'est comme avant. Ah, et là, on peut faire commerce de cuir. 25% au-dessus du standard. Et voilà, route commerciale active. Pas assez de licence commerciale, ça c'est bien, ça putain c'est comme avant. Avoir un bâtiment de type ranch dont la valeur... Mais en vrai, c'est un didacticiel avec uniquement les changements. Ce qu'il faut dans ce genre de jeu, c'est un didacticiel avec uniquement les changements. Bah ouais, parce que là du coup on se retape tout là. Parce que ça jusque là je maîtrise. Hein. Plus ou moins, parce que je vous rappelle que la dernière fois ça s'est passé difficilement, mais... Merde, c'est quoi? C'est bovin? Non, c'est pas bovin. C'est bétail. Connecter le ranch bovin. Pour la valeur bétail, il y a entre 90 et 100. Oh, c'est beau. Alors, c'est où qu'ils le veulent? Oh putain, c'est vrai que le clic droit dans le jeu, c'est ça. On le fait un peu où on veut. On peut faire des crocodiles, hein. Ça, c'est incroyable, ça. Moi, je vais me foutre là. Non, on va pas passer par... Je vais foutre ça ici. Un pour les nouveaux et un qui explique tout pour les confirmer. La vache, c'est nul. Oh bah non, tu peux pas dire ça comme ça. Tu viens d'arriver. C'est mieux les chèvres. Ah, les vaches, pardon. Excuse-moi, j'avais rien compris, toi. Oh, j'ai cru que... Oh, Yahoo, peur. Oh, Yahoo, très très peur. Une petite route. Une petite route, on n'oublie pas les... On n'oublie pas les... Oh, j'ai fait la pire route. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une gestion de l'architecture qui est très à moi. Qui est très à moi, qu'il faut comprendre, quoi, mais... Mais c'est très rond, c'est... Certains appellent ça le cubisme. Alors ça, je comprends pas pourquoi ils ont bon calcul. Sélectionnez le mode de fonctionnement de bon calcul. Fonctionnement fonctionne avec les réglages de base.
Et la pollution augmente. Oh putain. Non, on va le faire en bon calcul, hein, du coup. Chaque bâtiment a 5 réglages du budget. Le budget moyen est le réglage par défaut. Le budget d'un bâtiment de production comme le ranch bovin détermine ses salaires, l'activité, l'attractivité de ses emplois et son efficacité. Un ranch bovin doté d'une efficacité supérieure permet une production plus élevée de peau et de viande. Domine direct sur la défensive. Ah bah ouais, moi je supporte pas qu'on critique ce jeu. Qu'on me critique, à la limite. À la limite. Bon. Augmentez au maximum le budget de vos ranch bovins. En faut deux. Faut deux ranch bovins. Non, j'en ai déjà un là. Hop. Hop. Voir l'efficacité du ranch. Vérifier l'onglet d'efficacité sur le panneau. Je vais check, hein. Boum, efficacité. 109%. Visite d'El Presidente, ça les a mis bien. Et... Installer l'amélioration tannage au chrome dans la tannerie. Allez, boum, c'est bon. On va accélérer là parce qu'on se fait chier. Moi, les gars, je vais vous montrer ce que c'est que du fast learner. On va rien capter quand on sera dans la game, mais c'est pas grave. Licencier un ouvrier, fermer un poste de travail dans la tannerie. Allez, ça licencie. Hop, Diego Maradona, là, il se barre. Et on fait quoi? On ferme l'emplacement, c'est ça? Fermer le poste, ouais. Chiant. Ah, c'est clic droit, ok, d'accord. On comprenait pas, on faisait des clics gauche, on faisait des clics. Ah, j'ai grave envie de faire des maracas. Alors, placer du mode chien renifleur à contrôleur régulier. Compliqué là, dis donc. Fous-moi ça à la rue. Placer les deux ranges bovins en mode travail, exploitation. Ouais, exploitation humaine. Ah oh ouais, tu peux les faire charbonner les mecs. Hein. C'est quoi l'autre sinon? Interdiction de pâturage. Réduit l'efficacité. Ah oh ouais, là ils bombardent quoi. C'est quoi configurer, placer du mode impliqué dans votre exploration de cuir? Chien renifleur à contrôleur régulier. C'est là-dedans? Ah non, il y a une grosse flèche. S'il y a une grosse flèche, c'est que c'est là, chien renifleur. Il y a tant de façons de jouir des fruits de l'économie des tropicaux. Bon, on va y aller. Moi, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous en pensez quoi? Parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'on va apprendre, mais là, j'ai peur que ça soit un chapitre de 6 chapitres de didacticiel. Moi, je pense qu'on rentre dedans. Vous me dites? Moi, je suis assez chaud pour rentrer dedans. Je vais baisser un peu ça, là, calmement. Rentre directement dans le lard. Ouais, ouais, moi, je suis d'accord. Parce que là, sinon, le didacticiel, ça ne servait à rien. Non, mais je comprends entièrement. Vous savez que je suis un cassos. Je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça très humain, ce que vous avez fait, de me dire de faire du didacticiel. Parce que c'est beau. Tout simplement, c'est une belle preuve d'amitié que vous m'avez fait. Donc, merci. Allez, on y va. Bac à sable. Non, pas encore. Mission. Oh, ça part. Il y a 2 missions. On va faire ça déjà. Moi, ils m'ont dit, le jeu, il est hyper dur, comme d'habitude. Oh, il va faire facile, parce que j'ai échoué rapidement le dernier. C'est une OPSP. Non, c'est pas une OPSP. Je le dis quand c'est une OP. C'est bug. Bienvenue. Alors, il y a 2 choix. Il y a Penultimo des Caraïbes et Catastrophe Naturelle. Oh, Catastrophe Naturelle, même temps que très moyen. En difficile? On met en quoi? Bon, allez, on met en difficile, c'est bon, allez, hop. Allez. Allez, c'est bon, c'est en difficile. Plus je vous ai montré et tout, c'était en difficile, donc... c'est bon, ça c'est cool, quoi. Alors, la toute première mission... Aventure d'El Presidente. Attendez, désolé, parce que vous voyez peut-être pas tout. Voilà. Parfait. La toute première aventure d'El Presidente de son fidèle bras droit, Penultimo. Découvrez comment ils se sont rencontrés, participez à une conspiration et parvenez à l'indépendance en suivant le plan de Penultimo pour passer des petites de contrebande. Bien joué, ça, t'as triché. Mais. Eh, regardez par vous-même, d'accord? Ah, ça, je trouve ça insupportable quand vous me faites pas confiance comme ça, c'est. C'est... ça, mais ça en est à la limite du... Ça en est à la limite du dégueulasse, quoi. C'est... Ah non, non, moi, ça me reste là. On est en difficile sur ce jeu. On est en difficile. Ne gardez qu'une chose en tête. OK. Alors, le saviez-vous? Vous ne pourrez jamais résister à une invasion totale menée par une superpuissance. Je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que... Domi, tu ne justifies pas devant ton peuple. Mais oui, tout à fait. Pourquoi tu le justifies? Oublie pas que tu es le dictateur. Oh, on est parti. Vous souvenez-vous des tropicaux? Ces palmiers d'émeraude, ces plages de platine, ces mers de cristal, sur lesquelles le soleil miroite comme un océan de rubis et de pièces d'or. C'est... Présidente, c'est moi, Penultimo. Oh, Penultimo. Fidèle conseiller et plus grand fan, et aussi l'historien de vos exploits.
Rassurez-vous, il n'est encore rien écrit. C'est juste que Penultimo n'oublie jamais rien. À moins qu'on lui demande, bien sûr. Oh, Penou. Oh, Penultimo m'avait manqué. Hein. Alors oui, le jeu est beaucoup plus beau. Replongeons-nous dans le passé. Et pour commencer, quoi de mieux que le moment où vous avez rencontré votre cher Penultimo, non, présidente. C'est bon. Pour moi, c'était comme la première aube de la vie. SOS. Alors, on va revenir au moment où on a découvert Penultimo. Donc, on est sur Tropico 6, la bêta. Le jeu sort en janvier 2019. C'est pas une OP. Et voilà. Et je suis. Je suis président des bisons. Ah bon? Jusqu'à la fin de votre mandat. Ah, il y a encore des mecs qui nous. Alors, ils veulent. Là, je dois obéir, comme d'hab. Parce que on est avant tout des victimes. On doit faire une plantation de sucre. Et ben, on est parti. Oh, on est reparti dans du. Ah, j'aime bien. C'est bizarre ce. Ah, on a senti. Ah. Petite plantation des sucres. Oh, sucre. Oh, sucre. Quand c'est rouge. Ah non, parfois c'est rouge vraiment. Donc. Mais pourtant c'est con parce que. Parce que c'est rouge, mais. Tu vois, ça semble. Bon, bah je vais le faire là. Hein. Ça, ça semble être un bel endroit quand même. Donc, allez, on va se faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a chez nous? Attendez, je vais mettre en. Voilà, parfait, je vais mettre en azerty. On a des petits camions, parfait, bah, ils ont l'air de se faire plaisir. On a des petits bidonvilles, donc ça, c'est fantastique. On a des petits baraquements. Oh! Oh, c'est les bruits anciens, t'as l'impression. Eh, le jeu est quand même beaucoup plus beau. Hein. Il y a des requins. Oh, il y a des requins. Oh, j'ai cliqué, j'ai cru que ça allait mettre requins, ça aurait été ouf. Alors, on est en train de construire tout ça. On va faire une petite route, puisque ça, j'oublie un coup sur deux. Et. Oh. Oh, je suis le pire mec. Oh, je suis le pire mec. Oh, je suis le pire mec. Oh, ouais, ça, ça change pas, ça. Après, c'est des routes qui permettent de faire le tour du pavé. Enfin, du palais, pardon. Moi, je trouve ça pas si mal. Il y a un petit pont ici. Non, c'est pas si mal, en fait. Une minute, ça part déjà sur des routes à prendre. J'ai de nouvelles instructions. Enfin, suggestions. La plantation est prospère, j'imagine. Hmm. Merci. Je n'aime guère la nature, c'est sale. Heureusement, il y a de l'argent à se faire. Bien que pour les choses se fassent, il nous faut de la main d'œuvre. Pour obtenir la coopération des indigènes dans cet entre du diable, nous devons les corrompre en leur faisant, en leur offrant ce qu'ils veulent. Le rhum est efficace de ce point de vue. Construisez donc une nouvelle distillerie. Oh, et vous devriez en exporter un peu aussi, pour gagner de l'argent. Et bim, ça part en grosse distillerie. Grosse distillerie, sa mère. Ah, oh, distillerie de rhum. Alors, où est-ce qu'on peut la faire, cette petite distillerie? Parce que, ouais, il y a des... Ah, on va la faire là-bas. Parfait. On va la faire qui donne ici. Voilà, parfait ça. Juste à côté du palais. Comme ça, on est bien. Il est où l'ai-je? Ah, malheureusement, il a été blessé ce matin. Eh bien joué ça, McCormick. Et McCormick. Regardez comment c'est beau l'archipel là. Ça c'est beau. Hein. Merci Tom Tom. Alors, on peut faire du commerce. Disponible. Accepter un contrat de vente. Importation charbon. Ah, je veux pas importer. Nourriture, ressources brutes. Moi je pourrais importer. Je pourrais exporter quoi? Du sucre? 55% au-dessus. Je fais quoi, moi, concrètement, là, dans la life? Je fais un peu de maïs. Un peu de maïs. Un peu de maïs. Bon, bah, au moins, on sait ce qu'on fait, quoi. Non, bah, du coup, on peut pas faire du maïs. Bah, on va exporter du sucre. Allez, hop. On exporte du sucre. Parfait. Et ensuite, c'est combien une licence commerciale? 1 000 $. Alors, on a pas... On a 68 000. On a des thunes en... Je me demande, gouverneur, si la fin justifie les moyens. Sofia Ortega! Là, tous les sacrifices sont justifiés. C'est. Alors, les gens ont pris les choses à cœur et essaient constamment de trouver de nouveaux moyens pour se sacrifier pour la cause. Ils sont très inventifs. Alors ça, c'est les révolutionnaires. Parce que si jamais vous avez jamais vu du Tropico, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas. C'est donc les révolutionnaires qui vont essayer petit à petit de nous éloigner de la couronne pour qu'on devienne indépendant nous-mêmes. Que Tropico soit indépendant, c'est le but de tous. Voilà, de servir Colonel Pablito. Ils sont très inventifs. Vous aussi, sacrifiez quelque chose pour le peuple. Construisez un bâtiment de type taverne.
Et on va avoir des récompenses des immigrés. Immigrants, pardon. Obtenir un plan aléatoire. C'est nouveau, ça. C'est une nouveauté. Une petite taverne. C'est dans le loisir, ça. C'est dans le loisir. Alors, où est-ce qu'ils veulent la taverne, là, les... Ici, là, ils veulent la taverne, là. Près des baraquements. Allez, je vous mets ça. Bien parce qu'il est bon, votre bon vieux Pablito, hein. Ah là là, quand Pablito sera plus au pouvoir, qu'est-ce que ça sera? Veuillez me pardonner, mais ouais, j'ai une toute petite faveur à vous demander. J'ai mal au pouce. Ou alors, ou comme le dit ce... c'était difficile cette phrase. Ou comme le dit ce télégramme que j'ai reçu ce matin, le gros tas égoïste et ambitieux, je crois que c'est vous. Doit faire ce que l'on lui dit sans gaffer. Vous n'allez pas gaffer, n'est-ce pas? Les oreilles du dernier gaffeur sont encore clouées au pilori. Oh, je vais prendre des voix. Oh, je vais prendre des voix pour chaque personnage. Oh, ça y est! Oh, c'est décidé, c'est mon petit plaisir de la journée. Ça va partir en couille ce live. Construire un bâtiment de type donjon. Mais ça. Il y a des donjons maintenant? Conséquence, vous n'acceptez pas. Prolonger le mandat. Ah, parce que c'est vrai qu'on a 7 ans et 6 mois au pouvoir. Du coup, moi je vais faire un donjon. Mais... Votre distillerie fonctionne plutôt bien, semble-t-il. Un conseil, gouverneur, ne prenez pas trop goût à votre... Bon, je vais prolonger le mandat. La mission est d'exploiter ces îles, aussi insignifiantes soient-elles. Construire un quai routier sur chacune des trois autres îles. Minerais, bananes, singes géants, dinosaures, tout tant que cela génère de l'argent. J'ai donc besoin de vous aller chercher tout ce qui est bon à prendre, si vous avez le courage. L'expansion, gouverneur, l'expansion. Allez sur toutes les îles et trouvez-moi des choses à vendre. Vous m'écoutez ou vous en restez seulement là pour la décoration? Ouais, pas très bien doublé celui-là. Ah non, on aurait aimé le doubler autrement, on aurait aimé... Je ne comprends toujours pas les... 10 000 rendements, augmente l'efficacité de chaque taverne et cocktail de bar à 10%. Je comprends toujours pas quand il y a une petite caisse. Quand il y a petite caisse, je comprends pas, moi. Ah, envoie des révolutionnaires. Parfait, on va avoir des révolutionnaires. Alors attendez, on a plein de trucs à faire, on va mettre pause un peu parce que là ça passe vite. Qu'est-ce que tu racontes, Cocard, acheter Tropico? Ah oui, je t'assure. Ils ont fait une proposition. J'ai refusé une première fois, je peux plus la deuxième. Alors, le donjon, mais c'est quoi un donjon? Moi, j'ai jamais vu de donjon, moi. Moi, je suis tout nouveau ici, mais donjon. Vous permet ainsi qu'à la police d'arrêter des gens. Ah bah ouais, c'est une prison. Ok. Ah, parce que donjon, moi. Moi, en ce moment, je vois que des tweets de Zera, là. Ah, je me dis, putain, ça y est. Alors, par contre, ce qui est mal foutu. Attendez, parce qu'en fait, je vais passer en plein écran. Parce que le moment où je passe la souris vers la gauche, ça me change de... Je vais vraiment à gauche, tu vois, je vais sur l'autre écran. Regardez ces paramètres. Je vais être le directeur. Stock en sucre vide. Mais du coup... Non mais c'est... Oh ouais, c'est mal foutu ça. Oh, ça me continue à me le faire. Là. Plein écran, c'est pas le principe du plein écran de... Ah bah ouais, si je passe la souris... En fait, je peux pas aller à gauche. Là, vous voyez la souris partir ou pas? Ah, vous la voyez partir en plus. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Hein? Stock en focus sur le bâtiment. Alors, distillerie drum. Je ne comprends pas pourquoi valeur de la production. Oh, c'est bon. Oh, ça a pris 1 500 $ d'un coup, parfait. Tout ce qu'on avait, tout ce qu'on voulait. Alors, bah on va faire un petit donjon ici. On va faire... Le petit donjon... Je cherche de quel côté la porte. Je crois que c'est là. Parfait. Faut relancer les jeux des fois. Y'a que chez moi, il y a un petit décalage de voix. Ah oui. Oh bah là, ouais. Oh bah j'imagine. La corruption est tellement galopante qu'il faut payer un pot de vin pour savoir combien donner en pot de vin. Bon, alors, nous résisterons, gouverneur. Pas d'impôts sans représentation. Pas de pot de vin sans transparence et pas de corruption sans discussion. Oh merde, c'était la révolutionnaire. Ma voix n'était pas adoptée. En difficulté là-dessus. Stock vide. Bah ouais, mais du coup, comment on crée? Ah, mais c'est qu'il y a... Si, en plus, il y a des gens dedans. Stockage de sucre, stock dehors, rhum. S'en fout de la porte, ils sortiront jamais. C'est pas faux, tu marques un bon point. Alors, on va passer en x1, quand même. Construire un quai routier sur chacune des trois autres îles. Alors, les trois... Vous avez fait le bon choix. Qui est celui de la couronne? Parfait, ma gueule. Dans 7 ans, on va prendre des immigrés. Parce que les immigrants... Ah, oh, mais en fait, on va devoir faire des... On va devoir mettre des quais routiers sur chaque truc, là. Mais comment ils vont aller en face? Je dois faire des ponts? Oh, c'est...
C'est incroyable ça. Oh ça, moi j'avais pas prévu ça du tout moi. Bibliothèque, boum. Alors où est-ce qu'ils veulent la biblio là? Ils ont envie d'apprendre là? Eh ben ils vont apprendre, on va se faire une biblio là. Eh, on va même se faire une biblio là. Et on va se faire une route là qui traverse. Je le sens bien, attendez, je le sens bien là, j'ai une inspiration. Ah, il faut détruire ça. Il faut détruire ça. Je détruis. Résidence 2 sur 2. Oh, sortez. Sortez, les gars. Ah non, mais sortez, sortez, je vais vous tuer sinon. Dans la cahute là. Je démolis. Je démolis, il y a des routes à faire. Regardez un peu. Comme ça, ça va nous faire. Et là, je fais une deuxième cahute. Ah, je refais tout là. Oh merde. On peut pas le faire la cahute. Cabane, cahute. Oh, j'ai détruit un truc que je peux pas refaire. Ça commence bien, putain. Cric des pirates. Lancer des raids de pirates pour voler des ressources ou kidnapper des personnes. Oh, mais c'est trop stylé ça. Diminuer la lutte contre la criminalité autour. Oh, tu peux faire des parcs et tout. Oh, ils se sont donnés en vrai. Hein. Tu peux faire des merveilles du monde. Ils font tout seul. Il y a tellement de bâtiments. Ah, par contre, niveau bâtiment, ouais, ça a pas rigolé. Hein. T'en as de plus en plus, quoi. On va relier comme d'habitude. Oh non, c'est déjà relié. C'est déjà relié, mais tout est pensé pour. Ah, c'est trop chiant par contre. À chaque fois que je construis, je peux plus aller. Je peux plus aller à gauche, tu vois, ou dans un certain sens. Ah, ça c'est mal foutu par contre. Bienvenue Nesanko! T'as fait du militaire cette fois. Alors pour l'instant, on a rien foutu. Hein. Les gars, vous allez. Tu vois, à chaque. Ah, par contre, c'est trop chiant le. A chaque fois, je dois tourner pour faire des bails. Alors, là, on est en quoi? On est en plantation de sucre, monoculture. Parfait. On a du sucre, focus sur le bâtiment, changer de ressources. Non, on est bien, y a pas de souci. Le sucre, Domi. Rotate la caméra. Ouais, ouais, non, mais c'est, en fait, tu peux pas toujours rotate la caméra sur certains trucs de construction. Mais c'est normal, hein, c'est une bêta, le jeu sort dans 3 mois. Donc, y a le temps. Alors, nous, il voulait qu'il y ait routier. J'ai donc besoin pour vous, si vous avez le courage d'expansion, capitaine d'expansion. Mais c'est chaud, en vrai, de. Comment je fais déjà pour passer de. Est-ce qu'il considère que ça c'est un autre côté de l'île? Enfin, il considère zéro que c'est un autre côté de l'île. Il s'en fout. Faut juste acheter les plans. Si c'est un bidonville de la cahute. Oh ça va alors. Parce que du coup ils veulent que je crée des quais routiers. Ce qui est ça. Permet aux routiers de transporter des marchandises vers d'autres îles. Ce qui est concrètement ça quoi. Ah oh, ça c'est des docks. Ah mais c'est de l'un à l'autre. C'est de l'un à l'autre. Oh, j'avais un bail là. Bon, c'est pas grave. Comme ici. Parfait. 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 Comme ça, je peux faire une route qui fait exactement ça. Oh non, vous nous décevez, les gars. Vous nous décevez, annuler la construction. Oh, je suis. Attends, attention, il va y avoir une route à faire. Ah ouais, non, mais moi, c'est la. C'est la plus difficile partie de mon travail, hein, créer des routes, moi. Voilà, très bien. Parfait. Fantastique, j'ai beaucoup aimé là. Alors, il y a lui. Du coup, on est en train de créer une bibliothèque, donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire d'autre? On a des mecs, ils sont 105 pour l'instant. Alors, où est-ce que c'est qu'on regarde un peu? Parce que justement, on n'a pas fait tout le tuto pour justement... Pas que ça soit trop chiant pour vous. Filtre, almanac. Alors, almanac. Oh, c'est bien, ils ont amélioré. Oh la vache, oh, ça m'a fait des cernes carrément. Attendez, je vais partir en full révolution là. Je sens que je vais partir en full révolution, Pablito là. Pablito, il sent qu'il doit... Il doit mettre... Demi, arrête les bibliothèques. J'en ai fait une. Merde. Parfait, c'est grave, pas droit. C'est pas grave. C'était ça une bibliothèque. Non, c'est pour que les révolutionnaires m'aiment bien. Une fois que les révolutionnaires m'aiment bien, je peux faire à peu près ce que je veux. Parfait. Oh, on est mieux. On est quand même mieux. On est toujours guerriers-héros et tout, mais on est mieux. Alors, citoyens sans abri. Oh, par contre, oh la vache, ils se sont donnés un niveau... Du coup, le compte en Suisse sert à quelque chose. Alors, ça sert toujours, mais... Oh, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même fait des énormes efforts. Le seul souci, c'est que du coup, ça doit être méga deep. Économie. Tu vois, donc là, t'as le compte en Suisse en dollars.
T'as la trésorerie, t'as toute ta trésorerie, t'as tout ça, t'as la main d'œuvre. Ah bah en fait, tu peux juste cliquer là. T'as l'exportation, t'as les locations, t'as un bilan comptable. Hein. Si jamais vous faites de la compta un peu en cours, vous allez vous régaler là. Menace rebelle, aucune, ça c'est bien. Pour l'instant, il y a plus de révolution, il y a plus de royalistes que de révolutionnaires. Mais petit à petit, justement, en important des révolutionnaires, ça va nous permettre de prendre le dessus. Alors, les factions... Ça veut dire quoi, ça? Chef de faction, Antonio Serrano. André Gomez. En fait, t'as les royalistes modérés, extrémistes. Modificateur de réputation, le donjon, ça leur fait en plus. Le chef de faction, ça les fait en moins. Ah ouais, d'accord. Non, parce que je découvre aussi, voir un peu, les relations avec, avec l'étranger. Ça, c'est la liste des bâtiments que j'ai. Ça, c'est l'aperçu global du début. Ça, c'est le bonheur dans les différentes catégories. D'accord. Les décrets. Ah, donc, t'as des décrets de double ration et tout. Sieste obligatoire, ça y avait pas, si je dis pas de bêtises. T'as des décrets aussi de guerre mondiale, de guerre froide. Il y a des filtres. Donc ça, c'est juste pour voir. Ah, t'as des filtres de pollution et tout, ok. Parce que moi, j'étais pas allé très loin dans Tropico 5. Fais une soirée de stream, quoi. Ah, t'as des raids, maintenant. Lancer des raids de pirates pour voler des ressources. Garnison de commandos. Envoyer des commandos en raid pour diminuer la situation dans les Caraïbes. Ok, tu peux sélectionner des missions et tout. Ça, c'est beau, ça. Alors, je viens du live de Squeezie, et là, je vois quoi? Un mec habillé en caporal qui joue à un jeu qui a rien à voir avec une petite musique en fond qui ambiance. Ah bah, ça c'est tout ce qu'on aime. Non, par contre, ils ont décidé de se branler, là. Allez, construction rapide, on a des sous. Parfait. Du coup, le quai routier, il fallait pas le faire sur cette île-là. Là, déjà, on est bien. Plus, gouverneur, toujours plus. Alors. Les exigences de la couronne ne sont pas négociables. Je peux tout déclencher, là. Alors, un choix est possible. Accepter la demande à temps. Alors, avoir route commerciale d'exportation avec la couronne. Moi, ouais, j'avais ça, je crois. Si je dis pas de conneries. Route commerciale d'exportation. Je leur exporte du sucre. Ça va peut-être activer une fois passé, un peu de temps. Non? Faut la refaire activer. Bibliothèque. Elle est construite, là. Parfait. Du coup, ça, c'est bon. Est-ce les fesses de Baston Bruyère, c'est tout à fait ça. Alors là, on va se... Moi, je me prends beaucoup d'immigrants révolutionnaires, parce que là, vous allez voir, on va monter à 118, ce qui va nous permettre de faire des bails. Attendez, mais du coup, annuler le contrat, oui. Disponible. Alors, il me faut un truc avec... avec la couronne. On va demander à eux. Route commerciale déjà active. Route commerciale d'exportation avec la couronne. Non, regardez pas. Que j'ai fait là. Pas trop compris du coup ça. Ok. Bezadesh Romain, merci beaucoup pour le 13e mois parmi nous. Oh putain, je me suis lancé dans un défi là de. Parce que si je fais ça là tout d'un coup, quai routier. Mais comment les mecs vont y aller, tu vois? Ça c'est ma question ça, parce que c'est bien beau de foutre un quai là. Mais comment les gens y vont? Putain, on aurait dû faire le tuto. On est con. Oh, on est con. Parce que comment nos petits gars? Il faudra une route. Et vous pensez on peut passer comme ça? On peut faire? Oh, c'est trop lourd si on peut faire ça. Déjà, voyons. Voyons comment je peux faire. Est-ce que je peux? Oh non, je peux pas faire ça. Il faut des ponts du coup. Il n'y a pas de pont. Débarcadère. Oh! Débarcadère! Là, ça permet de prendre le bateau. Vas-y, faites un truc de bateau. Tunnel avec un pont peut-être. On va tester. On teste les différentes possibilités. Je sais pas si par exemple je démarre le. Ah non, ils disent non. Tunnel. Alors qu'est-ce que t'as? Doc. Ça c'est les trucs de base. Tunnel. Deux sorties tunnel créent une connexion routière sous un relief. Le coup final est en fonction de la longueur de la connexion. Oh, c'est stylé. Je pense pas que ça soit un tunnel sous la Manche. Non, je pense que tourner, c'est prendre le bateau. Les personnes qui voyagent en bateau peuvent s'amarrer au débarcadère. Mais je sais pas comment tu fais pour arriver sur. Et si là, je fais construction rapide. Juste, il n'y a pas de route, mais du coup, ça l'a quand même créé. Mais comment les gens sont allés dessus? Sur chacune des trois autres îles. Et ça, c'est une île, ça aussi? Bon bah je vais faire la même du coup hein, pour eux. Mais c'est particulier qu'on puisse faire sans aller... Construction rapide. Faut que tu attendes qu'un de tes bateaux exporte pour que la quête soit ok. D'accord, pour celle-là là.
Bon, au moins ça on l'a fait. J'ai l'impression qu'on a douillé là. J'ai l'impression que j'ai trouvé un hack. Je sais pas. Moi je dirais que j'ai trouvé un hack. Hein. Quand cette île va péter. Ah, cette maudite eau salée brûle les poumons du Yon Penultimo. Quelle sensation. Ce genre de non-sens de construction. Moi je suis. Hein. Fait une route qui relie les deux quais. Le seul souci c'est que c'est des archipels. Donc il y a de l'eau en fait au milieu. Il faut les amener en bateau, je pense, mais bon. Grâce à vous, je suis des récolteurs de noix de coco. On va faire ça. Gouverneur, nous devons discuter discrètement, car les murs ont des oreilles. Mais pas trop bas non plus, sinon on n'entendra rien et il faudra tout répéter. Nous avons découvert de l'or. La couronne le voudra, mais vous pourriez d'ici exporter cet or pour financer notre lutte. Oh, j'ai perdu l'accent. en accent de forain. J'étais bien, première phrase, j'étais bien, j'étais dans le rôle. Hein. J'étais Sofia. J'allais me présenter à vous en Sofia Ortega, quoi. On dirait les blagues de Nono, la fille. Ah, mais laissez le jeu se mettre en place. C'est vite parti, ouais. Je connais quelques experts dans ce domaine qui sont dignes de... Non mais on dirait le parrain, là. C'est pas possible, putain, je sais pas faire. Réfléchissez, gouverneur, car le... Alors, mine d'or, il faut avoir une mine. Avoir au moins un bâtiment de type quai routier avec l'amélioration moussaillon. Il faut avoir une crique des pirates et il faut faire un raid contrebande d'or. Les récompenses, je chope que 5 de révolutionnaires, ça? Ok, après vous c'est pas mal. Beau travail, gouverneur. Au passage, auriez-vous vu des métaux précieux lors de vos voyages? Non, j'ai pas vu. De l'or, par exemple. Tiens, prolonge mon mandat et ferme-la. Comme ça, on se met bien. Comme ça, on est sûr. Alors, il me faut un récolteur de noix de coco et une mine d'or. Eh bé. Toulou. Récolteur de noix de coco. Ah, alors là... La noix de coco. Donde está la noix de coco? La noix de coco está aquí, hein, pienso. Aquí. 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 Ah, notre coco est muy buena. Petite route qu'on va lui faire. Ah, notre coco. Hop, regarde, en deux temps. Clac, clac. Ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment des carrefours. Ça, c'est là où c'est beau là. Alors il nous faut une mine aussi. Alors la mine. Mais alors la mine, en fait, fallait que je sélectionne et le présenter. Y'a pas un truc où tu peux faire sortir les. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Plus de garde. Alors moi je prends plus de garde. Ajoute 4 postes de travail, ça me va entièrement. Engager un ouvrier étranger. Oh, vas-y. Ah, j'embauche, moi, parce que j'ai déjà eu cette merde où je me suis fait envahir. Je me souviens la dernière fois, un Carrefour Market. 5 sur les archipels. Ah, c'est sur les archipels, les mines. Hein, tu penses, toi? Ça n'a pas l'air d'être trop là, hein, les mines. Hein. Non, là, il y a... C'est pas une mine, ça? Elles sont où, les mines? Pourquoi perdez-vous votre temps ici? Il n'y a que des noix de coco. Et je hais les noix de coco. Elles sont toutes dures et poilues. Les conseillers de la couronne ont ordonné... Petit camp de bûcheron. Ok. Bon, là, ils nous demandent des trucs. C'est histoire d'installer un peu notre camp, quoi. Hein, si jamais vous n'avez pas compris. Petit à petit, on va créer... Oh, je vais créer ça là. Comme ça, on est en plein milieu de rien du tout. Hop, et petite route pour allier tout ça. Eh, en vrai... La population a une demande. Mais pour des raisons de sécurité, c'est une demande secrète. Ok, de faire du maïs, du coup. Bah, pas de soucis, hein, je vais te faire du maïs, ma gueule. Moi, tu me demandes du maïs, je t'en produis déjà du maïs. Le truc de route commerciale n'a pas marché, hein, déjà. Elles sont dures et poilées. Ah bah, c'est... Avoir une route commerciale d'exportation avec la couronne. Ouais, mais si je vais là, je suis désolé, mais... Dites-moi si je me trompe, mais... Exportation sucre. Avec la couronne. Exporter 0 sur 1100. Ça c'est... Le bateau n'est pas venu encore? Ah, le bateau vient de partir. C'est étonnant ça. Ça je comprends toujours pas. Hein. Je vais baisser un peu le budget pour ça. Alors, du coup, camp de bûcheron. On va avoir un camp de bûcheron qui va être fait. Priorité normale, pas de soucis, ils vont y aller. Il y a un moment, ils peuvent pas tout faire non plus. Faut le comprendre, ils sont pas des millions. Et on commence à avoir plus de révolutionnaires que de royalistes. Ce qui est plutôt positif.
Est-ce que ce serait parce que tu utilises le sucre pour le rhum? Pas con, toi. Toi, t'es pas con. T'es vraiment pas con, toi. Ouais, non, je te le dis, t'es pas con, mec. Mais alors, du coup, par contre, qu'on se balade un peu sur l'île. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a un truc d'ombre? Il y a un truc d'ombre comme s'il y avait un. Mais il n'y a pas de mine en fait là. Parce que où est-ce qu'on a trouvé de l'or? C'est des nuages. Ouais, c'est des nuages. On rigole, mais elle est où la mine? Bah attends, c'est un peu le. Parce que les mines généralement sont un peu dans les rochers, tu vois, un peu. C'est de l'or ça? Ah sinon je vais gratter, hein, y a aucun souci, hein, mais. Nous devrions faire quelque chose de tout ça. Avoir une scierie. Exporter des planches. Le brûler, ok. Peut-être. Faut faire tout péter à la TNT. Mais je crois bien. Hein. Attends, je vais aller sur l'autre île là-bas là. Bien joué ça, McCormick. Eh bien joué, monsieur. Ouais, vous avez un professionnel du cadrage, hein, si vous vous posez la question. Enchanté. Je suis à dispo pour toute. Oh, la musique est bien. La musique te fait tout oublier. Moins chier, c'est comme dans Minecraft, creuse tout droit, couche 64. Non, mais c'est vrai que je suis parce que avant les mines, recherche. Oh, entretien de navire modernisé, augmente le taux d'immigration de 50%, augmente les chances de tous les immigrants de devenir des criminels de 300%. Oh, bah, c'est nul à faire. Les bateaux sont 5% plus rapides, augmente les coûts d'entretien. Ah ouais, mais tout est plus cher en fait. Travailler plus pour gagner plus. Les employés des mines et des bâtiments industriels travaillent deux fois plus tant que le défrayé est actif. La craie coûte $350 par mois. Oh, mais c'est cadeau. Voilà, boum. Alors, ça a changé ça aussi pour les décrets. 300%. Bon, alors du coup, c'est peut-être en faisant. Attendez, c'était quoi le clic droit là? Décoration. Non, j'avais un truc d'affichage. Merde, putain, je me souviens plus. Un truc où je pouvais afficher... filtre, parfait. Alors filtre, y a pas un truc de mine, électricité, lutte contre la criminalité, ça on s'en fout un peu. Couverture de la nourriture, non, y a pas un truc de... Île. Beauté. Valeur locale. Oh, t'as une valeur et tout. Condition de culture. Ressources, parfait. Or. Alors, où est l'or? Ah bah là, c'est bien ça. Or! Ok, ça a changé, le jeu a changé, hein. 2-3 points, c'est pour ça que... Déjà que de base j'étais perdu, mais alors là je vous raconte pas quoi. Ça c'est de l'or du coup. D'accord, très bien. Ok, parfait. On peut revenir en. Un peu. Donc là, là t'as de l'or. Mais du coup va falloir amener des petits gars quoi. Chargement sûr. Focus sur le bâtiment. Va falloir que j'amène des mecs. Sans résumer tout, le but du jeu c'est quoi? De devenir dictateur. Et que ça se passe bien. Souvent, devenir un dictateur, j'y arrive, que ça se passe bien, c'est différent. Mais là, honnêtement, le truc, c'est que Tropico est un jeu connu pour pas être facile, tu vois, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une certaine difficulté dans le jeu et tout. Mais, putain, il faut que vous me disiez... Ceux qui connaissent ça, Tropico. Des ennemis partout, il y a les fagretos. Rappelez-moi, comment on sort les mecs pour... faut que tu fasses plus de champs de maïs. Non, bien sûr, mais là, on a chaque galère en son temps, là. Là, à l'heure actuelle, on doit aller là-bas. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais fait ça. Ça fait combien de temps que tu es sur la partie? À peu près 20 minutes, max. 10 minutes, là. On vient tout juste de lancer. On a fait le didacticiel niveau 1. Et en fait, c'était trop long. C'est-à-dire que c'était 10 minutes par didacticiel et t'en avais 6. Donc, débarcadère. Ouais, c'est débarcadère, on est d'accord. Je crée un débarcadère et des deux côtés, quoi. Mais du coup, ils vont débarquer de l'autre côté? Ou alors, c'est... comprendre, hein, que je fasse pas de conneries. Fais un deuxième débarcadère en face et relie-les. Parce que pour l'instant, j'ai que des quais routiers. On va créer un débarcadère. On va créer un débarcadère, moi je... Moi j'ai envie de créer un débarcadère, hein. Maintenant, ça y est. Je suis fixé pour objectif de créer le débarcadère. Et je ne peux pas créer de route ici, hein, de mémoire. Ça. Tu peux pas créer des bateaux dans les docks? Non, tu peux pas. Ouais. On va le foutre là, comme ça. Ce sera la même merde que mon autre.
Parfait. Perfecto. Oh, ils sont chiants. Ils nous indiquent pas quand on peut faire des trucs. Voilà, bah, du coup, voilà. Hein. Du coup, vous avez accès à ça. Hein. Construit la mine avec une route qui rejoint le port et la mine. Non, mais bien sûr, mais la mine est en face. En fait, là, pour l'instant, ma première difficulté, c'est aller sur la rive en face. Une fois, parce que j'ai réussi à construire des trucs dessus, mais j'ai pas réussi à aller dessus. Ce qui était d'ailleurs sûrement dans... Sûrement dans le... Tu vois, des câbles barcadères. C'est la galère pour construire. Eh, c'est... Mais tu le fais exprès, d'ailleurs. Belle impasse, Demi. Ah, le souci, c'est que je suis baisé, là, en fait. Oh, je peux plus... Oh, je peux plus annuler la construction. Construire des trucs sans que personne n'y aille. Enfin, en fait, c'est le souci, gros. C'est que regarde la gueule de l'île, quoi. Ouais, j'aurais dû construire là, limite, et j'aurais foutu un... Ouais, je vais faire ça, d'ailleurs. Ça me semble le plus adapté, quand même. Mais bon, ça fait des grandes routes, quoi. Non, mais c'est... Ça m'énerve. Sur la mine et une route de la mine au port. C'est ce que tu vas faire. Et là, c'est un quai de routier. Y a rien d'autre à faire. En fait, c'est ok, d'accord. Mais tu peux construire directement les trucs sans qu'il y ait personne de l'autre côté. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, why not. Voilà. Et du coup, je vais faire une petite route. Les routes sont pas faciles. Hein. Les routes sont pas faciles, honnêtement. Là, je suis en... Je vous le dis, je suis en semi-tilt. Autant se dire les choses. Je suis actuellement sur une situation de demi-tilt. Alors, là, j'ai une mine. Parfait. Et donc là, du coup, c'est relié. Donc, en fait, on n'a plus rien besoin de faire, c'est ça? Et là, elle va juste bosser solo. Et il y a un mec qui est là-bas. Et il a pas eu besoin. On a vu, on a vu. Ah ouais, gros, attends, c'est quand même... Je suis désolé, c'était quand même pas... Envoi du révolutionnaire. Bon, c'est bon. Merci, Suprême, c'est gentil. Faut faire un jeu pour Demi. Demi où tu devrais construire les routes de tout un pays. Ah bah ouais. T'as fait une mine de charbon. Non. Or, oh, putain, si vous commencez, si vous y mettez. Avoir un bâtiment de type quai routier avec l'énumération moussaillon. Oh bah ça, gros. Ça, je te le fais, mais quand tu veux. Boum, moussaillon. Et il me faudra une crique des pirates et ensuite il faudra que je fasse ça. D'accord, j'ai aussi une scierie à faire. C'est relié. Il est en mode difficile. Ouais, je suis en mode difficile. N'oublie pas qu'il a commencé le premier bâtiment avec un périphérique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que... Shame, shame, Arthur, shame. Alors attendez, il nous faut une scierie. Nous allons donc faire une scierie. Puisque quand il me faut quelque chose, moi, ce que j'aime bien, c'est le faire. Voilà. Je vous le dis, si jamais... on a... Est-ce que on n'a pas forcément besoin de tout relier, quoi? On va faire ça comme ça, on n'a pas besoin de tout relier directement un truc à gauche. Il n'y a pas une voie maritime à faire, le mec te dit de relier les deux. Ah ouais, non mais là... C'est une campagne, ouais! Le bouton détruire avec la boule de demi-munition. Non, tu vois, il veut pas. Détruire un bâtiment ou une route. Tu vois, il veut pas. Ce bail-là, là, il m'a dit démolir. Bâtiment en attente de démolition. Il veut bien. C'est bon! Rassurez-vous tous, ils veulent bien. On va faire une crique des pirates. Nous faisons une crique des pirates. Ah, parce qu'on suit, on suit ce qu'ils nous demandent. Comme ça, ça va nous développer des bonus. Alors, la crique des pirates, moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Encore, je sais pas exactement. Attendez, on va lire ce que c'est. Lancer des raids pour voler des ressources qui nappaient des personnes. Mais du coup, la crique des pirates, c'est genre au bord de l'eau. Je peux être placé sur une plage touchant l'eau. Ah, je vais le faire un peu loin, moi. Ah, oula. Mais un peu loin, quand même, tu sais, que ça fasse pas trop peur. On se fait... C'est bien, ça, des pirates. T'as triplé ta pop, faut des maisons. Yep, soutien. Après, les mecs votent 100% pour moi, là. On va faire un petit... Là, je vais faire un petit... Je commence à pas avoir beaucoup de sous. Hein.
On va faire des petits baraquements. 6 foyers. Oh, voilà, là ça va bombarder du foyer. Là. On peut pas faire plusieurs à la fois. Ouais, je l'ai fait à l'envers. Comme ça, ils peuvent... Ils peuvent quand même parler et tout. Ça, c'est pas mal. Le dictateur généreux. Non, mais là, c'est bien. De temps en temps, moi, je suis d'avis à... Et il faut relier ça aussi. Fait plein de sucre et exporte. Mais ça, en... je suis désolé, hein. Mais avoir route commerciale d'exportation avec la couronne. Moi, j'ai truc de commerce. Destination la couronne. Mais pour l'instant, j'exporte rien. Parce qu'on s'en sert pour le rhum. Annulé. En fait, on exporte rien. On va faire de l'or du coup. T'envoies pas de sucre, t'en as pas assez. Ouais. Tu fais pas assez de sucre pour exporter. Ouais, non, c'est ce que je viens de comprendre. Je l'ai là. À l'instant. À l'instant, je viens de le comprendre. Alors, on a beaucoup de révolutionnaires, ce qui est bien. On a quelques citoyens en chômage, on a pas mal de citoyens sans abri. Après, on est en train de leur construire des belles choses quand même. Bien, je fais du sucre au moins. Ouais, j'ai une plantation de sucre là. Je suis en monoculture, je suis là, c'est en train de repousser là. Mais bon, c'est faible. Hein. La production de sucre est quand même très faible. Hein. Et eux, ils ont besoin d'une route. Ouais, pas besoin de route. Hein. Construction rapide. Hop. Ah, ils ont besoin d'une route, les cons. Hein. Même les pirates ont besoin de route. Non mais ça par contre, ça m'énerve, tu vois. Ah, ça marche quand même, ok, cool. Ah, du coup j'ai bien fait de le faire aussi loin. Là on sent le con quoi. Bon, ça m'énerve plus en tout cas. C'est un serpent le bordel. Un pont. Il n'y a pas de pont. Route. Oh, pont. Pont. Peut-être que pont. Pas pont. 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 Oh, papon. Papon. Pont. Oh, c'est intense. Je vais y arriver. Bien sûr. Eh, quitte à faire l'aqueduc de Millau, là, je m'en bats les couilles. Je vais y arriver. Il y a un moment où ça va griser. Si, c'est bon. Eh ben voilà. Oh là là. Non, ce qu'on a, on a de la chance, c'est que le maire de cette ville, El Presidente, a toujours pensé au pont. Ah non, mais là, c'est le viaduc de Millau, peut-être, ouais. Peut-être viaduc plutôt qu'aqueduc. Ah, il y a commencé à avoir des mecs pas contents. Oh, tu m'étonnes. Déplace ton sucre. Ah, jamais. Jamais. Putain, mais c'est vrai que je sais plus comment on fait pour le déplacer. Il y avait un bouton en plus. Il y avait un bouton. Ils ont dû l'enlever. Est-ce que pour fêter l'arrivée de ce pont, vous vous offrirez pas une clé de Tropico? Ah ouais, je suis d'accord. De trouver de l'or. Oh, la couronne n'est pas fâchée. Elle est simplement déçue. Ah, y a pas de souci, mec. Hein. Jeté de pêche. Construire un bâtiment de type bureau des routiers. Parfait. Bon, là, je vais exporter des planches. Sauf que le souci, c'est que là, j'ai une scierie. Sauf que la scierie a un stock vide. Et pourtant, ici, le camp de bûcheron. Ils font 0 rondin. Pourquoi ils font 0 rondin?
Il est en train de monter là quand même. En toute honnêteté. La corruption est tellement galopante. Ah ouais, parle-moi, dis-moi des mots doux là. Dis-moi des. Pour savoir combien donner en pot de vin. Un pont. Il y a personne qui travaille au camp. Ah si, il y a Dolores, il y a James, il y a Michael, il y a Louise, il y a Babette, il y a Antonio. Ils sont tous là. Mais tu vois, ils font pas de. Je comprends pas pourquoi ils font pas de rentabilité. Enfin, je comprends pas là. J'ai dû faire un truc mal, ce qui fait que je ne peux pas profiter à plein plaisir du jeu. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois mettre des travailleurs dans la série. Non mais là même, tu vois, en termes de rondins, on fait zéro rondin là. Et la Syrie, il y a des travailleurs aussi. Augmente les payes. Ah non, gros, ça fait zéro. Et ils ont 8$ de salaire. Oh, je déforeste en plus. Hein. Quelle journée! La route commerciale avec la couronne commence. Bah pourtant j'étais en train de faire de l'or. Parce que du coup ils sont pas sélectionnés. Vous cherchez votre chemin? Oh, c'est donc ça. Et si je prends un employé étranger? Attendez, on va voir, c'est ça. Un seul choix désormais. Faut licencier. Parce que je pense qu'il faut licencier pour avoir des vrais gars. Non, c'est juste histoire de comprendre quand même. Parce que là je fais un peu nimble, je dois vous l'avouer. Je dois vous l'avouer que, enfin, c'est plus vous qui devez me l'avouer, mais... tu as tout le jeu 3 mois avant la sortie. Alors c'est la bêta. En fait, la bêta est disponible si vous achetez le jeu. Du coup, vous pouvez jouer maintenant. Mais du coup, c'est pour ça, les clés que je vous file, c'est ça, quoi. Mais t'as raison, sur les arbres, ça sert à rien. En plus, c'est moche, c'est du goudron. Le goudron, c'est tellement beau à la place. Voilà, on va attendre la prochaine... le prochain stock. Parce que là, les mecs me disent qu'il y a des citoyens au chômage. Moi, j'ai l'impression que j'ai des branleurs, quoi. Tu as probablement le même blême au sucre. Ouais, c'est pas faux. Mais non, là, tu vois, j'avoue, j'ai un gars. Mais du coup, le gars fait rien du tout, quoi. Ah bah là, il est en pause déj en plus. Recoupé. Je vais le mettre en prison. Ça m'a saoulé. Tu vas en prison. Là, toi, là. Il est où? Il est en train de se faire sucer, là, James. Non mais, si tu ne l'avais pas avoué, on l'aurait jamais su que tu faisais n'importe quoi. Mais tu vois, occupé le mec m'a dit. Je suis dictateur d'un putain de pays, le mec me lâche occupé. Et dans son baraquement, il s'est enfermé. Oh, coupé. Ah, là j'ai un gars. Alors, il y a Babette là qui est au taf. Non mais c'est pas possible, c'est une MJC le truc. Ah, raid, on peut faire des raids, aucun raid en cours. Les pilleurs génèrent, sélectionnent une mission. Mais en fait, il me faut plus de gens. Oh, c'est extrêmement compliqué. Oh, c'est extrêmement compliqué. Hein. Là, je trouve ça extrêmement compliqué, la Tropico 6. Where are you, my friend from the development team? Are you still here? Babette, elle fait pas de rondin, putain! Vous le voyez pas? Si, vous le voyez en plus. Vous le voyez en plus. Ça vous met pas les nerfs, vous? Ah, moi, ça me rend... Ah, ça me rend malade! Prison! Prison! Non, je la tue. Je tue Babette. Babette, je vais te tuer. Babette, tu es morte. Babette, là, c'est une farce. Non, Babette. Oh, Babette. Babette, ils t'ont vu. C'est qui, lui? Qui peut vous aider? Ah, c'est son mec. Hola, est-ce... Mais Babette, depuis le début, se branle, en vrai. Babette, ça va aujourd'hui, elle m'a lâché. Excusez-moi, je voudrais passer. Regardez, qu'est-ce Babette. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oh, mais regardez, Babette. Tu m'étonnes qu'on farme pas, là. On pexe zéro. Oh, si, ça pexe. Ok. Non, parce qu'il y a Antonio. On ne tue plus... Non, on ne tue plus, Babette. C'est joli. Non, la tue plus. On abandonne. Je trouve compliqué un jeu qui ne l'est pas réellement. Oh, si, c'est pas casu friendly, là. Je suis désolé, les gars. Ah, c'est bon, je fais des planches, là. Là, à ce moment pur, là, on n'est pas dans du méga casu-friendly. Non, Tropico a toujours été un jeu compliqué, c'est ça qui fait... Enfin, pas compliqué, mais avec Deep. C'est ça qui fait sa beauté aussi. Voilà. Moi, j'aime la beauté. Voilà, si vous venez juste d'arriver sur mon stream, sachez que j'aime la beauté. Je vous le dis. Jetée de pêche. Petite jetée de pêche, là, au calme.
petite jetée de pêche juste à côté. Là, par contre, c'est régal max. Là, c'est régal max. Petite route. Alors, pour faire une route, il faut avoir fait 3 ans d'urbanisme à la Sorbonne. Parfait, sublime. Sublime. Bâtiment en construction. Là, c'est sublime. Non, Tropico, c'est de la gestion casu. Non, mais il y a des missions qui sont pas faciles. Eh, moi, si Lège, qui a un malade mental de ce genre de jeu avec civilisation et tout, m'a dit que c'était compliqué, je suis désolé, son avis a plus d'importance que le vôtre. Même si, voilà, je tiens à vous, je vous le dis. Là, vous êtes quand même devant un stream où regardez ces ponts. Regardez cette qualité de pont. Regardez. En fait, on va mettre des 2x4. C'est-à-dire pour vraiment assurer le confort de tout le monde, on met 2 ici et de l'autre côté, on met aussi 2. Ce qui permet en fait que quand t'arrives ici, la full balle, là t'es comme ça avec ton camion, là t'es bien, t'es serein, tu vois, donc faire des routes, c'est pas du tout casu. Ah merci de me défendre. Alors là, petit à petit, on exporte de la planche, ce qui est plutôt bien. Je ne comprends toujours pas la route commerciale, puisque j'ai une route commerciale avec la couronne. Oui, mais ah, le but était de la finir. Non, c'est avoir une route commerciale d'exploitation. C'est pas la finir. Mais ça, on va voir si ça change. Alors, aucun raid en cours. Les pilleurs génèrent des points de raid quand ils se préparent pour la prochaine mission. École d'espionnage. Alors là, pour l'instant, j'ai 0 mission. J'ai une crique des pirates. Récupération, banane, peau, fer. Des pirates. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait des plantations. Avoir un peu plus de sucre pourrait être intéressant pour faire plus de rhum. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire depuis longtemps. On sait, certes, focus sur certaines banalités. Et là, il y avait une zone de sucre ici. C'est pas mal ça. Fais attention, il faudra une route. Non, là je suis bien là. Là tout ça, c'était des erreurs du passé qu'on avait fait. Là, regardez un peu, les pirates se rassemblent. Les pirates sont en train de se rassembler. Point de raid 1769. Mais du coup, il y a des pirates là-dedans. Oh, Montserrat Muñoz, Mariano Diaz. Oh, l'ancien Lyonnais. Il est là maintenant. Putain, le con. Ah, si on avait su. La belle route pour dissimuler les pirates. Il manque plus que les panneaux indicateurs. Bah ouais, mais bon, c'est moi le policier. Bon, ça c'est parce que c'est vide, et ça c'est vide aussi. On fait un peu de planches. On fait pas beaucoup de planches, mais on en fait quand même un peu. Après, là... Rondins. Plus de rondins, les gars, s'il vous plaît. Allez, plus de rondins. Tu vois, ils bossent de manière hyper aléatoire, les mecs. Gouverneur, la population a une demande. Mais pour des raisons de sécurité, c'est une demande secrète. Alors, je suis la seule à savoir, ainsi que plusieurs douzaines de combattants de la liberté Trolloca, c'est vos espions. En fait, vous savez probablement ce que nous voulions avant nous. Dans ce cas, faites-le et n'en parlons plus. Terminez le raid butin. Mais ouais, moi je suis un mec des raids, moi. Moi j'ai plus de quêtes que de population, si tu veux. Bureau des routiers. Je te fais direct un bureau des routiers, gros. Moi ça m'arrange. Moi ça m'arrange de faire un bureau des routiers, là. Juste ici, je te le mets. Comme ça, il est pas loin de là. Je te le mets là. Comme ça, on gagne un peu de place, on pourra se faire un petit truc.
C'est les Espagnols, ils font la sieste, mais j'ai l'impression. Hein. Il me reste plus que 5 ans. Je vais me faire tège. Oh, je me connais, je vais me faire tège. Encore la famille pirate. Ils en sont où les piratos là? Merde, c'est là. Ah, ils se rassemblent. Ils mettent du temps à se rassembler. Hein. Ils discutent. Bon, les gars, vous, vous allez où? Putain, ça me saoule grave. Oh, ça m'énerve. Mais en fait, je fais aucune thune, quoi. En vrai. Est-ce qu'il y aurait pas une licence commerciale sympa à acheter, là? Or. Putain, je pourrais faire une deuxième room dedans. Et le rhum. Je fais pas tant de rhum que ça, attendez que je regarde un peu. Que je comprenne quand même ce que je produis quoi. Économie. Revenu. Exporter. J'exporte des planches, ça me rapporte. J'exporte de l'or, j'exporte du rhum, du maïs, un peu de viande, un peu de peau. J'exploite les trois recettes. Les syndicats de pirates, les pires. Ah ouais, 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 non mais... Tu vois, on fait 3000 balles et on ramène des gens là. Bien joué, vieille branche. Le quai menace même de s'affaisser sous le poids des petits poissons. Ouais, donne des sous toi. Donne un max de thunes. Donne des sous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les... Mais en vrai, je pourrais grave. Parce que ça, ça m'a pas trop plu quand même, hein, je vous le dis. Là, de pouvoir faire des trucs de mine et tout sans souci. Là, si je fais par exemple or, il faut que je crée des mines ici, quoi. C'est ça? Par exemple, si je fais fer, où est-ce qu'il y a du fer? Il y a du fer à différents endroits. Charbon? Charbon à différents endroits. Mais du coup, t'as même pas besoin de... faire une mine de charbon là. T'as même pas besoin en gros de check avant, parce qu'avant t'avais quand même besoin d'explorer pour trouver la mine et tout. Maintenant c'est genre juste tu poses ton... cul quoi. Et derrière petite route. Parce qu'on connaît. Hop. C'est la première île ça. Ouais. Il est 36, j'en donne une. Mais donne. Qu'est-ce qui se passe là? Y'a plus que des modos dans le chat. Y'a plus que vous qui êtes vivants suite à ce stream. Je comprends. Oh putain, c'est des belles sessions en tout cas, président. Eh, 10 000 balles là, on a chopé. Ok, là on est bien. Contrebande d'or. Terminer le raid contrebande d'or. Mais du coup, est-ce que j'ai besoin de vous motiver, vous, à faire des trucs Ah, ils sont rassemblés. Là, ils sont rassemblés. Recherche. Travailler plus pour gagner plus. Mode de fonctionnement. Non, ça plaît pas tant que ça, ça. Domingo Squad. Non, la plèbe est là aussi. Je vois un peu des fois pour voir la qualité graphique. Bah honnêtement je trouve que, hey, moi si j'ai deux points à dire pour l'instant de Tropico, c'est d'un point de vue graphique, ça s'est vachement développé. Parce qu'avant parfois, bah c'était 2014 tu vois, donc ils ont quand même fait beaucoup de progrès. Et d'un point de vue, pas complexité, mais largeur de choix dans la gestion, c'est beaucoup mieux. Après, j'ai pas été un expert de Tropico 5, j'ai joué une soirée, c'était marrant, j'avais fait le début de la campagne et tout tu vois. Donc bon, il nous faut plus de sucre. Hein. Mais en fait, dès que j'envoie du sucre, boum, le rhum est là, quoi. Ce qui fait que je suis souvent en truc faible. Mais je vais faire masse plantation. Vous gagnez, rêve de lever l'ancre. Oh, chef, impitoyable. Oh, penultimement. Si seulement il y avait du bois. Le pont est le... or au bâtiment. Je dois livrer de l'or. Budget. Ouvrir l'écran raid. Et du coup, à ce moment-là, charge dorée, exécution de la mission. Or au bâtiment. Ça veut dire quoi, ça? 0 sur 100. Je dois fournir de l'or? Est-ce que je dois dévier mon... C'est ça que je comprends pas. Est-ce que je dois dévier... Je dois avouer que je suis content de travailler encore avec vous. C'est... Allez, prolonge un peu mon mandat, là. Ils sont longs, ces pirates. En fait, je me demande ce que ça rapporte. Oh, j'ai... disponible. Ah. Crustacé. Ah, j'ai pas de crustacé, moi, les gars. Je fais pas ça. Ah, je fais rien de tout ça, là. Je fais un peu d'or, c'était chaud. On peut s'arranger pour un peu d'or, encore. Ça receve. Ah, on est là. C'est quand le skirmish tropico. Ah, bah là, gros... j'ai mes chances, hein. Je te le dis, j'ai mes chances. Parce que ça, 50% de coût en plus pour 5% plus rapide. Bon, allez, vas-y. 5% plus rapide, c'est donc à mes tours. Alors, on va chercher la mine, du coup.
Alors, la mine, est-ce qu'on sait où elle envoie ou pas? Est-ce qu'on peut lui dire... Non, on peut pas lui dire de... On peut pas lui dire d'envoyer à un certain endroit. Plus, gouverneur, toujours plus. Construire un bâtiment de type ranch. On va faire du ranch. On va faire du bon ranch. Domingo le job, voilà. Tu vas faire une OP Call of. Ouais, quand le jeu sera sorti. Beau travail, parce que je kiffe, quoi. La population... Bon, c'est bon, on a vendu les planches. Bon, et finalement, petit à petit, on s'y fait. J'ai l'impression qu'on s'y fait. Merci Toto pour le 30e mois, 7e mois aussi pour Jonathan. Vous allez être présent l'année prochaine, attendez-vous avec une vidéo à PA Moto. C'est vrai que toi, depuis le début, tu me dis ça. Je serais chaud en plus. Juste là, j'avoue, j'ai beaucoup de choses, tu te rends compte. J'ai pas mal d'îles à gérer, j'ai pas mal de... Contrebande d'or. Ça, je suis toujours dans la... Terminer le raid contrebande d'or. Et du coup, en fait, ils l'ont pris, là. Il est cru qu'on ne reviendrait jamais à Tropico. Le mieux, c'est au-dessus de ma tête, en vrai. Gouverneur, vous récoltez de l'or pour notre cause. Et je vous en remercie. Oh, messie de mon âme impie, laissez-moi vous prouver... J'accepte les quêtes. Et du coup, contrebande d'or, sortez de l'or en contrebande, ça vous fait remarquer. Ah, en fait, on a juste fait genre de la contrebande classique, quoi. Oh, c'était pas si ouf, hein. J'ai jamais su en finir un sans tricher. En gros, je comprends. Avoir au moins une mine or avec le fonctionnement protocole secret. Chahif ! Protocole secret. Protocole secret. Protocole secret, voilà, boum. On est des gens, on fait des missions. Merci pour les 200 bits, moi je t'aime et surtout ton contenu. Bah écoute, c'est gentil, frérot. Les gars, tu leur donnes 100 d'or, ils te ramènent 100 d'or. Ah non, mais c'est vachement, ça, honnêtement, ça vaut le coup. Ave, actif noix doré. Actif noix doré. Route commerciale. Mais tu vois, ça, niveau trad, je sais pas exactement, j'ai peur de faire une erreur. Une erreur, c'est horrible le chat à droite. Le chat dérange quand même. Oh, mais je le vire alors. Tout ce temps, j'ai essayé, mais ça vaut pas le coup. C'était mieux à gauche. Ouais, mais on s'y perdait. C'était pas... Faut que je fasse ça avant. Exporter noix dorées. Ah bah voilà, en fait, c'est juste des noix dorées. Tout simplement. Alors, comment faire ça? D'exportation. Noix dorées. Ça peut être dans des petites... petites productions locales de noix dorées, ça. Là, t'as les noix de coco. Mais où donc sont les noix dorées? Noix dorées, il m'a dit. Ah mais c'est noix de coco, non? Je pense que c'est noix de coco. Parce que noix dorée. Ah si, noix dorée. Destination contrebandier. Alors comment on fait des noix dorées? C'est avec le bois. Alors, c'est avec la scierie? Non, ils font ça et planche. Consomme le lait. Oh, on fabrique du jus de fruits. Trop bien, putain. Noisette. Je pense que c'est noisette. Parce que j'avoue, comme les traductions sont pas... Il n'y a pas noisette en plus. Oh, vous m'induisez en erreur. Oh, vous m'induisez en erreur là. Non mais j'avoue que là c'est un peu chiant. Bon, on va faire les ranchs, c'est pas grave. Concentrons-nous sur autre chose. Quand rien ne va bien, il faut faire autre chose. Voilà, c'est une... Je vais foutre mon ranch ici, moi. Et j'en fais un deuxième juste à côté. Et là, vous vous dites, le mec, il est trop con, il va pouvoir faire de route. J'avais pas totalement tort. Bon, pour 1 sur 2. Pour 1 sur 2, vous aviez pas tort.
Attention, peut-être une route. Ouais, je l'ai vu après, je l'ai vu après. Allez, on se fout ça là. Et on n'a pas tort. Si pour les contrebandiers, noix dorée, ça peut être un lien avec pépite d'or. Non mais là, je t'avoue que juste exploiter noix dorée. Récolteur de noix de coco. C'est peut-être lié, quoi. Ah, mais c'est des noix de coco que tu fous dans de l'or ? Parce que ça, on n'a pas tout fait encore. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ah, mais peut-être que, justement, on peut les récupérer là, les récupérations. En fait, ils vont chercher différents sauvetages. N'importe quoi, sauvetage éduqué. Les pirates trouveront des naufragés sans l'outil fait. Ils devront en trouver un certain nombre. Sauvetage beaucoup. Ah, oh, vas-y. Comme ça, ils vont ramener des gens. C'est pas con, hein. En vrai, c'est pas con. Bonsoir. Plus l'inverse. Faut que tu les transformes. Au moins, comme ça, t'es sûr que ça passe de mieux. Oui, c'est pas con. Mais ensuite, après, tu sais. Ouais, si, mais c'était pas con ce que t'as dit. On est tout le temps obligé d'avoir ça, non ? Oh ! Découverte après 1h30 de jeu. Ça, on fait toujours pas beaucoup de... On fait toujours pas beaucoup de rhum. Ça, c'est une réalité. Hein. Là, les rondins, ils sont tous au chaume du, là. En même temps, il est 14h quand même. Hein. Faudrait pas trop leur en demander. Oh, et ça, par contre, on fait de la planche en masse. Hein. Ça, c'est plutôt positif. Hein. Là, on est en train de construire les deux ranchs, ce qui est plutôt bien. Les noix dorées. En gros, là, il demande juste d'avoir une route commerciale active et sinon, il faut une exploite de noix de coco et mettre le protocole secret dans la mine. Il demande juste d'avoir une route commerciale active. Bah, j'ai or. Tu vois, j'ai de l'or en actif. Route commerciale d'exploitation ou est-ce contrebandier. Moi, je pense qu'ils veulent un truc avec... Ils veulent un truc comme ça, quoi. Tu vois. Attends, si j'annule, là, par exemple. Imaginons. Parce qu'on fait des tests, avant tout. Hein. Et là, je passe en noix dorée. Exporter des noix dorées. Ah, parce que maintenant, je suis les contrebandiers. La corruption est tellement galopante qu'il faut payer... On va faire un journal. Parfait. Butin. Terminer le raid butin. Oh, j'avais ça à faire aussi. Exporter noix dorées. Il teste vraiment les noix de coco. Nous avons donc caché l'or à l'intérieur. Il suffit de les exporter pour financer votre campagne. Alors, nous avons pu établir un autre commercial à ses pour exporter notre or dans les noix de coco. Mais du coup, comment tu fabriques ça? C'est avec les pirates? C'est avec qui? C'est mode bonheur. Merci, Salocine. Non, parce que là, on essaye juste des choses très, très standards, très classiques. On va se faire un petit journal, comme ça, ils seront contents, on la révolutionne, là. Non, parce que je les connais, après les cons. Après, ils me font chier. Ça vient manifester et tout jusqu'à chez moi. Oh, on veut pas. C'est la mine. Je pense que pas mal de missions ont une limite dans le temps. Ouais, non, je sais. Bah là, on va avoir ça, là, donc c'est bon. On va pouvoir prolonger à vie, là, en fait. Hein. Les mecs sont plutôt contents. Là, en vrai, on fait des sous et tout, hein, donc... là, ça se passe, quoi. Là, en vrai, ça se passe. Juste, en fait, je pense que c'est avec les trucs de traduction. Ou alors, je suis vraiment con, hein. Ça, c'est quelque chose de très possible. Parce que la mine, elle te permet pas de faire de la... Ok, mes petits gars. Noix dorée. Dans noix de coco. Dehors. Noix dorée. Attends, c'est où la fabrique de coco que j'ai mis, moi? Oh putain, j'ai fait une fabrique de coco. Faut la retrouver, mon pote. Récolteur de noix de coco. Autoriser la consommation locale. Je pense qu'il en faut plus, hein. Découpeur de noix de coco. Vous avez fait le bon choix. Qui est celui de la couronne? Ah, mets-moi une petite extension, là. Envoie les pirates chercher du butin. Fais les deux autres mines d'or. Non, mais en fait, ouais, faut y aller industriellement, quoi. Le terrain est trop inégal. Splendide! C'est chiant aussi, gros. Attends, j'annule. Je suis désolé, mais c'est mal foutu, quoi. C'est quand même mal foutu, quoi. Là, c'est mal foutu. Hein. Hop, or.
Je vais me foutre comme ça. Comme ça, forcément. Là, ça va marcher, là, la route. Parfait, là, ça suffit, on est d'accord. C'est relié, là. Ouais, ça va être relié. C'est bon. J'avoue que les routes sont pas très bien foutues. Bah, en fait, c'est genre... En vrai, c'est pas un peu chiant, tu vois, mais bon... T'as l'impression vraiment que, genre, là, par exemple, c'est impossible. Là, tu peux pas faire de route ici. T'es en mode, bon, bah, pourquoi, quoi. C'est quand tu planques de l'or dans les noix de coco pour les faire passer en contrebande. T'avais une route automatique avec la mine. Bon, c'est pas mon arbre, ok. Mais du coup, tout à fait d'accord avec ça. Ah, mais là, du coup, on en produit, là. On en produit naturellement, en fait. Et ensuite, on va les exporter. Ok, bah, parfait. Juste, en fait, c'était naturellement, quoi. Il fallait juste le temps et tout, quoi. Haha, tu peux détruire la petite route. Non, moi, j'aime bien. Tu vois, ça marque les erreurs du passé. Comme ça, nos futures générations se diront « Mais que cogno, Pablito ? Il a fait des routes qui ne marchent pas !» Ah, moi, je serais là en mode « Eh, si, je l'ai fait. Et c'est con. » Et là, je vais vous faire un petit docos, là. Au calmito. Le petit docos. Hop. Il y a des sous qui viennent de toutes parts. Ce site de construction. C'est bien ça. Un petit bureau des chantiers, ça pourrait le faire hein, quand on a autant de. Elle est pas reliée ta mine. Là, elle est pas reliée là. Là, elle est pas reliée. Hein. Ça nous coûte rien de faire ça à chaque fois, hein, si jamais. Enfin, je crois. Là, on est relié. Non, mais tu vois, genre là, par exemple, ils auraient pu le faire comprendre. C'est pour ce truc là qui était un mètre plus loin. Ça, là, on aurait pu le faire comprendre, tu vois. Ça, c'est les moments où je... Ah, je suis un peu ronchon, ouais. Je suis un peu ronchon, mais je pense que c'est pour la bonne cause. On va se faire quand même un petit bureau des chantiers. Là, c'est bon, c'est relié. Bon, on va pas le... C'est une mine de charbon que t'as mis. T'as mis du charbon. Non, j'ai mis du charbon... Là. Là, j'ai fait du charbon. C'est bien, parce qu'il y avait du charbon, là. Pas la bonne mine. Et là? Là, c'est de l'or. Là aussi, c'est de l'or. Et hop, du charbon dans les noix de coco. Là, il y a deux trucs d'or, hein. Or et or. Juste, j'ai une mine de charbon ici, parce que j'ai une ressource de charbon. Regardez, je suis sur une mine de charbon. Mais je comprends entièrement, les gars. Je sais que ça va très vite, hein, sur ce live. Je sais, moi aussi, j'ai du... Moi-même, parfois, j'ai du mal à suivre ma cadence. Donc, je comprends entièrement. Dites-moi de ralentir, hein. Dites-moi de ralentir les mecs, y'a aucun souci hein, parce que c'est vrai que moi je joue en vitesse x1, je pense même pas à vous quoi. Je pense même pas aux non-experts de Tropico qui peut-être première fois que vous voyez un gameplay comme celui-là, donc y'a aucun souci hein, je vous en veux pas du tout. Pyraxa, bienvenue, merci beaucoup pour le sub. Nos mauvais. Le cauchemar, putain. Oh, je vous aime. Alors, journal indépendant. Voilà, les noix dorées, ça, on va les envoyer, là. Il y a un moment, là, le bateau, il est là pour ça. J'ai refait un truc pour pouvoir faire plus souvent des bateaux, quand même. Là, il y a plein de petits trucs qui partent. C'est très plaisant. Mine. Ah bah, vous minez plus rien, aussi, les gars. JBS, bienvenue. Refait des baraques. On va refaire des baraques. Non, mais là, on sent qu'il y a eu un moment où, limite, ça a pu être difficile, tu vois. On s'est dit, putain, ah, le gars, il va peut-être rage-quit. Je le sentais. Je me disais, le gars... Pas impossible qu'il rage quitte, hein, ça. Pas impossible, c'est lui casse les couilles. Or qu'au final, maintenant... Plus, gouverneur. Toujours plus. Je récolte. Maintenant, je suis juste dans une récolte, quoi. Constante, des petits baraquements autour des plantations, bien évidemment, pour encourager. Encouragement, toujours. Allez, les gars, hein, on construit quand même. Hein. Ça serait bien que... Ça serait bien qu'on... Que nos ambitions... Suive. Alors, le raid butin. Alors, on avait fait un truc où il fallait ramener des gens à un moment. On a 200 personnes, hein, quand même. Eux, qu'est-ce qu'ils foutent, là? Alors, eux, ils sont en train d'exécuter la mission de ramener des gens, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, il y a butin. Alors, butin. Terminer le raid butin. Moi, si je vais là... Si je vais dans raid, là... Moi, mon souci, les gars, c'est que j'ai pas butin, quoi. Et ça, ça fait sévèrement chier, quoi.
ça, ça fait chier. Quelqu'un peut m'expliquer le but de Tropicora, gros? C'est une âme, hein. Faut y aller avec... Faut y aller avec le... C'est ça, mec, hein. C'est ça qui... Tu vois? C'est en nous, hein. Alors, attendez, je vais faire des routes... J'ai envie de savoir un peu, niveau... Qu'est-ce qu'on exporte, en fait? Qu'est-ce qu'on produit bien, tu vois? Croissance. Oh, déjà, en croissance, on est bien. Revenu. Alors, location, c'est quoi? C'est baraquement, maison de campagne. On fait de la planche, on fait du maïs, on fait du rhum, on fait de la viande, on fait du charbon. Est-ce qu'il y a des trucs commerciaux qui m'intéressent? Un peu de rondin? Ah, sous le standard, c'est pas intéressant. Un peu de plan... Ah, c'est... Un peu de charbon. Je te mets un peu de charbon, j'achète une licence. Moi, je suis prêt à acheter une licence. J'achète 1000 balles une licence. J'achète une autre licence. J'achète plein de licences. Maintenant, c'est décidé, on va devenir multimillionnaire. C'est bon, là, ras le cul. Accepté. Boum. Là, c'est quoi? Et le rhum, je crois que j'en fais pas assez. Du coup, je vais faire un peu de... Hop, j'ai quoi, là, maintenant? J'ai noix dorée, charbon, or. Sauf que or et noix dorée, ça va nous baiser. Mais c'est pas grave. Fais gaffe à tes thunes. Butin égale récupération. Ah, c'est récupération, le butin? Attends. Ah, c'est ça? Ok, d'accord. Oh, ça aurait pu, j'aurais pu le comprendre, quand même. Tu feras gaffe, tes dépenses sont légèrement supérieures à tes revenus. Ouais, non, mais c'est ça, tout l'équilibre. Mais là, déjà, il faut que... Voilà, ça va aujourd'hui. Oh. Lui, je crois, je pensais. Je déprime tellement que même les rats n'osent pas croiser mon regard. Je comprends pas ceux qui veulent se révolter dans ce monoliste ou bénéf. Je comprends pas ceux qui veulent... J'aime tellement la famille royale. La couronne, c'était pas si mal. Oh ouais, eux... supérieur, il manquait un mot. Alors par contre, la route commerciale avec la couronne, je suis désolé. J'en ai trois depuis un bail. Enfin, tu vois, genre, ça fait un bail qu'on l'a. Cette mission est buggée, je crois. Cliquez pour signaler un bug. Je signale un bug. Hello. Big bug. Big bug. I just can't... Oh merde, je suis en... Can't complete the road commercial. With the crown. Can last sad about it. But I know you will do your best. For Pablito. Thanks. Hop. Contexte. Big. Big context. Big context. Ah non, mais big context. Parce que moi je pense que c'est bugué, ça. Je vois pas comment c'est pas bugué. Ou alors c'est genre... avoir route commerciale avec la couronne. Attends, mais depuis le début, est-ce que c'est pas un truc où je dois juste importer depuis la couronne? Si c'est ça. Genre c'est... Je dois peut-être importer des trucs depuis la couronne, non? Merci Amélia! Commercial road. Ouais, j'ai dit road commercial, vache la honte. Attendez, je teste un truc. Celle-là, on peut l'annuler. Ah, ça serait terrible. Bon, ça va. Je dois avoir un contrat avec la couronne comme partenaire. Bah ouais, mais gros, je leur ai fourni full, je leur ai fourni plein de trucs. On l'a eu, ça. Alors, les pirates vont revenir. Alors, on va voir avec combien de gens les pirates reviennent. Alors ça, on est en cours de construction. C'est un peu difficile, mais on construit. Ça, c'est les planches. Du coup, en fait, là, notre souci, c'est qu'on a du mal. On a zéro citoyen au chômage. On a des mecs qui sont sans abri, mais zéro au chômage. On a de plus en plus de révolutionnaires. Équilibre l'année dernière, on est quand même en positif. Pas de beaucoup, mais... Alors, les noix dorées, c'est bon. Je me réjouis de voir que vous exportez des marchandises, gouverneur. Mais j'ai regardé... Ah bah, je suis un peu d'accord. Et vous savez quoi? Je les trouve un peu feignants. Ah bah, je me suis entretenu avec le roi. Ah, il veut un théâtre? Fais en sorte que tous les journaux utilisent le mode de travail, l'indépendant. Ouais, l'indépendant, tiens. Allez, hop. Allez, ma gueule. Obtenir un plan aléatoire? Oh, j'ai pas fait ça. Oh, ça m'a rien fait de bon. Le plan aléatoire m'a rien fait de folichon, là. Étonnant. On va créer un petit théâtre, du coup. Petit théâtre des familles. Où est-ce que c'est?
Ici, là, au milieu de tout, là. Il y a besoin d'une route pour le théâtre ? On verra. Oh, j'ai moins de 900 balles. Il me faut des sous. Il me faut des sous, on va annuler ça. Je vais annuler ça aussi parce que je fais n'imp là. On va reprendre l'exportation d'or. Sauf si celle-là est supérieure. Enfin, c'est bon. C'est la même. Et on n'a pas grand-chose à exporter là. Les plans, ça doit être une construction avec le carré bleu. Oh bah je teste. On a un truc dispo. Bon allez. On a qu'à faire comme ça. Ça sera bien. Je me suis entretenu avec le roi. Salut Domingo, Crazy Nutty. Là ça arrive, tu as revenu attendu. Prochaine heure d'arrivée. C'est pas mal en vrai. Hein. Par exemple, j'ai fait combien? Plus 10 000. Receive Blueprint for Opera. Ah, donc ça c'est les plans de l'opéra. Ce qui fait que si j'ai besoin d'un opéra, ça sera gratuit. Je ne peux pas construire ça? Pourquoi je ne peux pas construire? Pourquoi il y a personne qui... Parce qu'ils ont pas de route? Ouais, aussi, je peux pas construire. Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal de gens. Raid. Alors, les pirates sont en train de revenir. On va voir avec quoi ils reviennent. Ça, ça va être intéressant, ça. Tu peux regarder ton stock de ressources? Alors, je pense que si. Mais en fait, si, en plus... Mais il y avait un bouton, mais je sais plus. Limite. Époque coloniale. Je suis l'infâme révolutionnaire. L'infâme révolutionnaire. Savoir qui, ok. Là, il y a des décrets, si jamais. Là, il y a les présentations de tâches. Non, c'est dans l'almanach. Mais je pense que c'est dans... Non, c'est dans l'économie, quoi. J'ai pas les stocks. Conflit. On a aucun conflit. C'est devenu Domingo Stallone. Ah bah là... Ça construit tout seul sur l'île d'en face, mais là non. Non mais tu vois, il y a deux trois trucs, moi j'ai un peu de mal à comprendre. Et je suis un peu débile, mais il n'y a pas une durée dans le temps d'une route commerciale. Bah en fait, on en a une pendant très longtemps. Alors, point de raid. Alors c'est juste qu'on a eu des points de raid. Il y a des mecs qui sont arrivés, donc apparemment ils étaient là. Donc plutôt cool. Je sais pas exactement ce que ça fait. On va partir directement en butin. Comme ça, ça va nous mettre bien. On a un théâtre là qui est en train d'être fait aussi. À cet endroit, mais si je fais priorité élevée, y'a personne qui est dispo pour construire. Il va prévenir que guérir. Ah là, ça reconstruit là. Alors, aperçu des ressources dans le milieu. Oh, fantastique. Aperçu des ressources, bien vu. Bâtiment de production. Rhum, 9 200 $. Noix dorée, 12 000 $. Mine d'or. Rondin, noix de coco. Distillerie de rhum. Eh putain, le rhum. Yo, rien n'a changé sauf les menus. Ouais, les menus. Et bah, du coup, moi, comme j'ai pas beaucoup joué, en fait, c'est juste que forcément, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Je crois qu'il y a eu 2-3 ajouts. Mais j'ai plein de sans-abri. Non, mais c'est parce qu'en fait, là, j'ai pas fini encore les constructions. Ah c'est bon, là tout le monde s'est mis sur la construction. Non, c'est juste qu'ils ont dû finir le dock avant. En fait, ils ont dû finir le dock. Je crois qu'il y avait peut-être un autre truc avant. Ah pardon. Ah putain, faut que je repasse en couverture. Et du coup là, bah là ils y vont là, tu vois. Là il y avait personne et ils y vont maintenant. Et du coup les sans-abri, il y a quelques sans-abri. Mais là déjà, j'ai pas assez de thunes pour faire tout. Là j'ai 18 personnes qui vont être logées là. Ce qui est plutôt cool. En vrai, on va faire des plantations, je pense. Hein. Parce que le théâtre, ce serait pas mal de le... Il y a beaucoup de nouveaux bâtiments. Ouais, il y a quelques nouveaux bâtiments, quand même. Hein. Ou alors, j'étais pas assez allé assez loin, mais t'as le moment où t'es au club nautique. Par contre, ça doit être stylé, hein, quand t'es en fin de... Change le protocole. Mais en fait, j'avais... Pour être honnête avec vous, j'avais rien changé pour faire des noix dorées. Après, je peux continuer à faire des noix dorées, ça se vend bien. En fait, c'est juste que t'as pas le choix, j'ai l'impression. Genre, j'ai pas cliqué sur quelque chose pour faire des noix dorées, tu vois. Genre, automatiquement, ça m'a fait des noix dorées.
Là, ils font un peu de poisson, eux, c'est très bien. Niveau commerce, j'ai quoi? J'ai beaucoup de charbon. Hein. On va en annuler un. Parce que je crois qu'il y avait de la pêche à un moment. Poisson. 10% au-dessus du standard. Allez. Hop, ça part. J'ai mis protocole secret. Pour les noix de coco, c'est fort. Réduit la qualité de travail de 15, la durée des périodes de travail augmente de 38. Parfait, on va partir en efficacité. Allez. Ici, ça va charbonner, les gars. Je vous le dis, on est là pour faire rentrer des sous maintenant. Les rondins, eux, ils continuent à bosser. Bah écoutez, on va faire des plantations, je pense. De quoi on aurait besoin? Un peu de rondins, en vrai. Hein. Un peu de rondins pour être que bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit camp de bûcherons. Regarde, manoir, tu as débloqué ça dans les plans. Je vais vous débloquer le plan pour 1000$. C'est quoi le plan? Ah, c'est parce que c'est des nouveaux trucs? C'est ça? Genre comme cirque là? C'est 2400 balles pour avoir le plan et ensuite 4800 pour le faire? Ok. Bon, j'ai un théâtre qui est en train de se faire, j'ai un journal, j'ai une bibliothèque. J'ai pas d'épicerie. Vend des marchandises comme pour augmenter le foyer, pour alimenter les foyers des visiteurs. Les visiteurs doivent au minimum être pauvres. Fournir un lieu de culte aux visiteurs. Je pourrais faire ça. Fort. Ah, ça peut être pas mal ça. Je vais faire un fort. Parce que moi je m'étais fait envahir un moment, c'est très désagréable. Le moment où tu passes 2 heures sur le jeu et tu meurs. Plus pour moi ça. Hop. Bon alors on investit dans tous les sens. Hein. Là on commence à être pas mal. Il y a plus. Oh, j'allais dire, il y a de plus en plus de. Ouais, il y a de plus en plus de sans-abri en fait. Ouais, il faut qu'on fasse des blocs. Hein. Juste les priorités de construction. Ouais mais je l'avais fait sur lui. Eux tu as été en priorité normale. Construction. Construit là. Oh ça se foule pas quand même. Hein. Mais tu vois du coup tous les mecs qui sont en non... qui sont au chômage. Je vais mettre un décret pour qu'ils bossent plus. J'avoue, peut-être pas con. Double ration. Je te dis, consomme 2 unités. Fin des repas gratuits. Sieste obligatoire. On augmente la qualité du travail de chaque lieu. Diminue l'efficacité de tous les lieux de travail. Les employés des mines et des bâtiments de sol 2 fois plus tant que le décret est actif. Tout le monde veut gagner plus. Et travailler dur, c'est une berthe. C'est quoi ça? Il y a des bâtiments industriels. Fais un autre bureau de construction. Moi, je commence à en avoir 2, quoi. J'ai lui, bureau des chantiers, et lui. Je sais pas s'il en faut plus. Travailleur, 6 sur 6. On peut, quoi, on peut, mais... Regarde le développement urbain. Où est-ce que tu verrais développement urbain, toi? Au chômage. Sans éducation. Il y a des mecs qui vont au lycée, quand même. Petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui vont au lycée. Hein. Famille sans abri. Logement vacant. Ah bah allez-y, les gars. Il y a un moment, vous gênez pas. Hein. Je dois vous placer moi-même dans... Pauvre, aisé. Content de vous voir. En fait, des personnes dans un asile. Oh, c'est trop bien, ça. Oh, il a des gosses et tout. Décret. Tous les bâtiments résidentiels. Décret. Oh, parfait. Certes. On fait un décret comme ça, on va pouvoir. Parfait, ça. On va pouvoir construire plus. Merci, c'était une bonne idée. Je peux mettre des impôts. Ah, mais on est à moins 5000 là? Diminue votre réputation auprès des religieux. Diminue votre réputation auprès des communistes. On va faire un. Eh, petit effort, il n'y a plus de repas gratuit là. Vous lâchez tous des sous maintenant. On est à moins 6K là. On attend goulûment les bateaux. Si jamais vous voulez faire des marchés du deal avec nous, n'hésitez pas. Contactez-nous, c'est la merde. On est quand même exporté. C'est bon, ça allait finir cette route là. Sucre, on accepte. Ah oui, je... Oh, mais je suis en déficit majeur là. Il n'y a plus de bateaux qui viennent exporter pour moi. Ils font quoi du coup? Ils font rien. Le théâtre est en train de se construire. Oh, ça a été long.
Tu peux réduire. Le décret a coûté 7000 boules. C'est bon, on a 14000 boules. Ça va mieux. Le butin, ça sera fini dès que ça c'est fini. Le théâtre, c'est fini. Je vais avoir 8 immigrants là. La route commerciale, bon, elle est toujours buggée. La route commerciale, c'est la vie. Non, mais en vrai, on fait des thunes. Hein. Regardez, là, on va refaire des sous, là. 17 000. Vous voyez, regarde, là encore, on va refaire des sous. Allez, on voit. Nous devons aller au théâtre. Il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une pièce. Il se peut aussi qu'il y ait des biens un jour roi du monde. Ah ouais. Oh, vas-y, alors. N'hésite pas. N'hésite pas. Replacer. Sectionner le président. Visiter un bâtiment. Lequel est le théâtre ? Suivez mes pas. C'est pas bien grave. On va visiter les deux. Se souviendra de moi pour l'éternité. Pourquoi c'est moi qui dois aller quelque Allez. Part ? Il va visiter le théâtre. Vers moi. Gouverneur, on m'a tiré dessous. Oh non ! Oh, pauvre penultimo. Alors je me jette. Qu'il y m'étais sur les cacahuètes. Je m'interrogeais sur le fameux box de luxe très ouvert dans ce théâtre spécial, imaginé par la couronne, beaucoup de corniches plongées dans l'ombre sur rue Penultimo meurt. Et pas vous, souvenez-vous de votre loyer Penultimo. Aidez Penultimo. Penultimo est un héros. Tous ceux qui se font tirer dessous pour la bonne cause ont. Eh bon, on va avoir des tours de garde. Ah ouais, attendez, va pas falloir faire ça à Penultimo là. Impôt du culte, parfait. On va créer ça. On enlève le décret des repas gratuits. Parce que sinon, ils vont me détester. C'est bon, on a des sous. Alors, là, on est bien là. Tour de garde. Ouais, c'est bon, on achète là. 3 tours de garde. On va commencer à faire des tours de garde, les mecs là. On va commencer. Ça va là. On va finir ces conneries là. On est même plus chez nous là. On se fait massacrer là. Regardez les sous. Ah non, c'était les. Ah non, c'était personne du tout ça en fait. Ah si, il y a eu des sous quand même. 4000. Oh, il y a plein de gens qui arrivent, on est 272. Hein. Bah, c'est quand que je suis indépendant? Moi, j'ai envie d'être indépendant. It's a trap, c'est un piège. Ah bah ouais, Penultimo, il est en train de die là. Revenu des frais, 15$. Le théâtre... Il y a des sous le théâtre, hein. C'est terminé. Nous sommes prêts pour l'invasion. Allez, envoie les 10 immigrants. Gouverneur. Vous êtes superbe aujourd'hui. Pas encore, Domi. Pardon. Moi, je me sens prêt. Saigner quand on m'a tiré dessous, alors j'ai la tête qui tourne. Vous avez raison, le travail d'abord. Faudra faire avant que la couronne nous fasse assassiner. Quelle méthode allez-vous choisir pour le bonheur du peuple? La nourriture. Satisfaction nourriture. Ah, oh, il faut qu'ils aient un peu plus de satisfaction nourriture. On va leur faire une épicerie. Oh, ils vont pouvoir manger. Les gens aiment bien manger. Hein. Moi, j'aime bien manger, en tout cas. Moi, tu penses, si tu me nourris bien, je fais ce que tu veux, tu vois. Là, si je fais une épicerie, ils vont être contents, là. Plus, ils vont pouvoir manger. Non, non, c'est très très bien, ça. Il y a combien de... Ah, 64 sans-abri. Hein. Bientôt faire un décret pour les tuer, d'ailleurs. Ça, je voulais vous en parler. La dernière fois, t'as eu tout le monde au cul, une fois indépendant. Ah, non, mais là, mec, on brasse. Hein. Oh, stockage food. We don't have any food. Stock vide. Il me faut more food. Maïs. Ah bah on a du maïs. Oh la vache, ils viennent tous. Ils viennent tous, ils sont heureux là. Ah bah on a moins de satisfaction de nourriture. Oh bah quelle vie. Oh ouais. Incroyable là. C'est comme ça qu'on remercie quoi. 45 sur 55. Je me sens un peu seul en ce moment, j'ai du chocolat, on peut s'arranger. Bon bah écoute, c'est si gentiment proposé. On leur fait quoi? Des bananes? Non, des ananas, moi j'aime bien les ananas. Hein. Ça je devais vous le dire. Là, pile ici là. Ah bah non gros, c'est pile l'endroit où il y a besoin d'ananas. Là c'est l'ananasier là. Ah c'est con qu'on puisse pas le faire de l'autre côté parce que... Quand c'est vert, c'est que... L'ananas, ça marche, quoi. Je vais faire autre chose. Cacao, ouais, mais ils vont pas se nourrir de cacao, les mecs. Hein. Ouais, ça, c'est mal pensé de penser qu'ils vont se nourrir de cacao, ça. C'est là où on voit que vous êtes des mauvais dictateurs.
Et je vous en veux pas. Moi aussi, à un moment, j'ai été un mauvais dictateur. Allez, je fous ça là. Sur la plage. Sur la plage des bananes. Quoi de mieux? Utilise tes autres îles. Ah, mais c'est vrai que je peux foutre. Mais ça, je trouve ça un peu nimpe. Genre, là, je peux foutre un plan sans que personne puisse y aller. Hein. Oh là là, là, c'est... là, par contre, les bananes ici. Tu vois, sans que personne puisse y aller, je peux me retrouver à faire ça. Vous avez fait le bon choix. Qui est celui de la couronne? Du lait dans route commerciale avec la couronne, tout d'un coup qui est... J'ai loupé beaucoup. Ah oh bah là, on est... Fait des runs. J'en ai deux là pour l'instant, mais je pourrais en faire plus. Bon, on va prolonger un peu, parce que sinon... Je suis trop con d'avoir fait ça là. Ça fait que toutes les autres routes sont bloquées, limite. Mais on peut faire plus de ranch. Hein. Là, on est à 47. Les ranch, ça marchait bien, c'est vrai. Je me souviens, les ranch, c'était une franche victoire à chaque fois. Il est sous le maître du monde. Bah, pas si loin, hein. Vous déconnez, mais... Hey, on est en exécution de mission. On est 300 hein. On est 300 dans la baraque, là. Ranch. Regarde le petit ranchito, là, que je te mets, là. Je vais faire quoi? Je vais peut-être pas faire de bétail. Ah, c'est trop tard. Annuler la construction. On va faire... Qu'est-ce qui coûte cher en ce moment? Oh, disponible. Il y a des contrats en ce moment. 10% au-dessus. Sucre. Je vends déjà du sucre, moi. Je peux vendre des ronds. Ah non. Noix dorée. Je vends plus, ça. Du rhum, hein. Je peux vendre du rhum. Rhum, sucre, poisson. Ah mais je vends pas assez de sucre en fait. Je vais faire de la laine. Je vais faire un... Ça marche car... Ça marche pas car tu avais pas assez exporté. Bah à un moment j'avais quand même exporté 300 sur 300. Sans vouloir faire le relou mais... Lama. Laine, lait. Bon je vais faire mouton, comme ça on aura un peu de lait. Ah. Ah ouais les lamas c'est... C'est aride hein. Bon, les moutons seront bien ici. Plus, gouverneur, toujours plus. Avoir route commerciale avec la couronne. Les couronnes ne sont pas négociables. Accepter la demande à temps. Non, pas de soucis, les mecs. Bon, en tout cas, je suis en pleine route là. Attendez, parce que toujours ce bug où je peux pas tout faire d'un coup. Pourquoi il me force à faire ça? Yes. Ce qui fait que là j'ai un truc général. Mouton égale lait. Ah les gars... Moi je ne suis... Je ne suis qu'un sbire. Bon 50 sur 55 en satisfaction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un peu plus de bouffe? Que marginalement glorieuse. Bon, on voit des immigrants révolutionnaires là. Ah, mais putain, ils sont jamais heureux niveau bouffe. On a fait ça. Est-ce que. Ils vont nous demander un nouveau truc bientôt, je pense. Autant pas envoyer tout de suite. 324 hein. Je commence à avoir. Je commence à avoir beaucoup de révolutionnaires. 58. Ah, il y a beaucoup d'indifférents. Électeurs. Non décidés. Ah mais tu vois dans l'ens... Après c'est parce que j'ai pas choisi de camp. T'en es où niveau SDF? Ah 108 hein. Ah niveau SDF c'est terrible. Ah SDF c'est vraiment le truc que je gère le moins bien. Je vais en refaire un peu. Mais c'est assigné au moins. Mais tu vois il y a encore des places. Richesse requise pauvre. Mais je pense que c'est les très très pauvres en fait. C'est pour ça. Et comment je fais des trucs pour cage à lapin? Je peux pas faire genre des... Non, ils sont censés être... Faut en faire quoi des très très pauvres? Quand t'as fini une, nouvelle apparaît. Parce qu'en fait là j'ai l'impression surtout que les mecs sont très très pauvres. Maison de campagne, non maison de campagne c'est pour les aisés. Tu vois ils sont pauvres. Ah, ils... Parce que indigents, eux faut... Eux c'est foutu hein. Eux indigents... Je sais pas si on a organisé la loterie encore là, mais... C'est un peu triste, quoi.
Syrie, tannerie. Non, mais en fait, faut grave que je l'achète, là. Parce qu'en fait, t'as rien à acheter. Ce bâtiment peut être construit que lors de l'époque guerre mondiale. Ah, ok, quand même. Tu vois, ça, c'est pour les riches ou plus. Et là, c'est pour les au moins aisés. Tu vois, donc... Donc, moi, je fais full baraquement. Comme le jeu avance pas dans les époques. Alors si, le jeu avance dans les époques. Tout d'un coup, tu fais des... J'ai un peu merdé sur des trucs, là. J'ai un peu merdé, ce qui fait que je suis en... Ah, c'est bon, il y a 55 de nourriture. 55. Oh, tu avais vu un peu la croissance. Santé, ça baisse. Hein. Travail, ça va. Maison, ça va. Foi, bof, loisir. Ils se font un peu chier, quand même, chez moi. Je me demande, gouverneur, si la fin justifie les moyens. Produit maïs, plantation maïs. Sauf dans les cas de l'indépendant. Oh, le bon moment peu. Est venu. Fini les murmures. La révolution s'écrit des sorts. Quelque chose ne va pas, gouverneur. Je ressens l'envie pressante de vous appeler présidente. On va partir en solo. Là, je vous le dis. Le moment est venu. Avoir une approbation moyenne. Révolutionnaire 56 sur 60. Les peuples ivres de colère. Ils détestent tellement la couronne qu'il en est malade. Les ouais, gens non. sont très contents de leur fort, gouverneur. Ok. J'ai eu 20 000 trucs d'un coup, en fait, qui ont pop, là. Parce qu'en fait, comme je joue en plus des... Le moment est venu. Fini les murmures. Non, non, mais il me faut plus de révolutionnaires, là. J'ai pas assez de révolutionnaires. Ah, oh, quoique 61, 53, ça se négo. Hein. Comment on fait, déjà? Je sais même plus faire. Oh merde. Enlève le x4. C'est vrai que ça allait vite là. Là tout d'un coup on se disait ça allait assez vite quand même. Alors, révolutionnaire tropicain. Plus de 60% de la population soutiennent les révolutionnaires. On en est pas loin là, non? On est à combien si tu regardes un peu? Modificateur de réputation. Historique, plus 4, ne pas tenir le fort, exigence de la couronne. On est quand même pas loin là. Parce que c'est quoi les BN là? Tue le royaliste. Tu peux tuer le mec qui représente les royalistes. Je suis tellement stressé. Oh, mais j'ai tué sa meuf en plus tout à l'heure. Ah non. Non, non, c'est bon, c'est bon. Vous me rappelez quelqu'un? Je le tue? Vas-y, je le tue. Il est où? T'es où, mec? T'es où, man? Oui, je sais, le fromage. Oui, oui. T'es où? Suivre. Oh, lui, il est dead, lui. Moi, j'ai envie de le suivre tout le temps. C'est quand qu'il meurt? Comment il meurt? Parce que j'ai pas de garde, en fait. Pas sûr qu'on va le tuer à un moment, lui, hein. On n'a pas tant de... On n'est pas si chaud que ça. Hein. Chasse au trésor. Vas-y, partez en chasse au trésor un peu. Faites des bails, les pirates, là. Il y a environ 70%, là. Bah ouais, mais ils m'ont pas coché. Ils m'ont pas coché, ça. Je vais choper 10 immigrants. Faire des soldats, pas des clowns. Non, mais en vrai, je sais pas... Ah, moi je vais faire des mecs prêts pour l'offensive. En fait, je sais pas recruter dans ton fort pour le tuer. Investi dans le militaire. Ouais, ouais, non, je suis assez chaud pour ça là. Juste raid des militaires. J'ai une crique des pirates, j'ai un mirador, mais tout ça c'est époque guerre mondiale. Essaye d'éduquer tes habitants. Là, j'ai de plus en plus déjà. Non, j'ai de moins en moins de sans-abri normalement. Juste les gars, allez dans les maisons aussi. Hein. Là, il y a des places. Hein. Vous allez pas dans les places, vous remplissez pas. Je trouve les menus moins clairs que dans le 5. Bah en fait c'est plus détaillé. Donc d'un côté c'est plus cool, mais d'un côté c'est plus complexe, tu vois. Je pense en fait c'est le genre de... Enfin, c'est le jeu, si tu sèches énormément, ça va être beaucoup plus clair, parce que ça va être beaucoup plus fluide pour toi. On a des soucis hein, sur ce qu'on exporte et tout, on comprend pas bien.
Noix de coco. Vas-y, ça, je fais ça. Ouais, ça, on n'est pas. Planche. Je faisais des planches aussi. Vraiment, dans ma vie, je faisais des planches. C'est pas ultra clair, tu vois. C'est comme là, le gars là qu'on a voulu tuer. Il est où? Attends, il doit être dans Almanac, il doit être dans Royalist, il est là. Suive. Personne le tue. C'est personne indifférente. Pas moins de 50%. Ça, je peux pas le tuer là. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est que j'ai pas d'armée. T'as pas de policiers. Ah, mais du coup, comment on les recrute les policiers? À part ça, je trouve le jeu sympa. Oh, je trouve le jeu trop cool, moi. Juste, en fait, parfois, faut virer et limite engager un ouvrier, un employé étranger. Mais en fait, il y avait un truc de qualification. Je sais plus. Le jeu est cool, clairement, le jeu est cool. C'est un bon jeu, c'est tropico, quoi, tu vois. Le jeu est lourd dans l'ensemble. Bon, je suis en train de faire du maïs, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai un peu de sous, donc je pourrais investir, mais je réfléchis juste correctement dans quoi investir. Fais une caserne, peut-être. Mais en fait, là, à l'heure actuelle, gros, je peux pas faire grand-chose d'un point de vue militaire. La caserne, c'est plus tard. Ça va des marathons de ce jeu. Après, moi, je suis loin d'être expert, tu vois. Ça aussi qui fait que... Oh, je vais faire un petit cirque. Oh, j'ai envie de faire un cirque. Oh ouais. Parce que j'ai envie d'être un dictateur, mais que les gens soient heureux quand même. C'est important. Parce que si t'es un dictateur et que les gens sont pas heureux, bah en fait t'es plus un dictateur. Les dictateurs les plus forts, c'est les mecs qui ont... Oh, le dictateur près du... Wow, on va faire ça là. Hein. C'est les mecs, genre la Kim Jong-un et tout quoi. Les gars, ils ont carrément fait penser à leur peuple qu'ils étaient des demi-divinités quoi. Prends toutes les améliorations dans le fort et les donjons, non plus tard. Roucarnage 59, bienvenue. Augmente la cadence de tir, augmente de 25% l'efficacité de chaque bâtiment militaire défensif dans le rayon d'efficacité. Non mais ça m'explique pas de comment. Quelle journée ! Quelle journée ! Bah alors. On est à... Ah, on est en surcharge. Ah mais je change. Déchargez-les. Les tropicaux vous aiment presque autant que moi, gouverneur. Nous avons vraiment un goût exquis. Oh, je déclare. Excellent. Je savais que vous aviez... J'ai filé 10 000 balles, mais au moins on est indépendant maintenant. On est en guerre mondiale, le jeu peut commencer. Alors, mon cœur est gonflé de joie. Ah, yes oui, enfin. Non, non, c'est pas une OP. Il ne te reste que 10 ans. Non, non, c'est bon, on est en 1911, là. On est nous-mêmes. Même quand... Mais ça a mis du temps, hein, à ce qu'on soit nous-mêmes. C'était plus court, non, le dernier. Alors, même quand une guerre est finie, ses conséquences perdurent, c'est un temps pour se fortifier. Gérer vos relations avec les quatre factions politiques qui représentent l'opinion. Rejoindre le camp de l'une des superpuissances ennemies, lancer des raids de commando pour limiter les actions de guérilla et d'agents secrets. Construire des centrales pour nourrir et fournir de l'électricité. Créer un ministère et nommer des ministres pour devenir fils généraux. Créer et amender les constitutions pour personnaliser votre gouvernement. Que se passe-t-il? Oh, Presidente. Quel soulagement. Pendant un instant, j'ai cru que vous faisiez partie des boches. On n'est jamais assez prudent, comme dit la propagande. Et j'en sais quelque chose. Ne vous effrayez pas de mon aspect sévère, Presidente. Presidente. J'ai une maladie de muscles faciaux qui m'empêche Je suis à vous dans une minute, Presidente. Le temps de finir de compter mon argent. Les camarades veulent que je vous présente à chacun d'entre eux personnellement, Presidente. Parce que... aucun d'entre nous n'est plus important que les autres. Laissez-moi deviner. Ah, tu peux choisir un peu les différentes factions que tu vas rejoindre et tout. Ça, c'est pas mal. Alors. Là, du coup, c'est la constitution. La constitution est beaucoup plus deep qu'avant, déjà. Enfin, ou alors c'est... Ah, là, mais le soldat... Alors, c'est là des soldats au max. C'est un donjon blob, ça. Exactement. Alors, droit de vote pour tous. Seuls les citoyens les plus aisés ou riches sont autorisés à voter. Les employés des bâtiments gouvernementaux votent pour représenter quel que soit leur niveau d'approbation. Ceux dont l'approbation est inférieure à 40% ont 10 chances supplémentaires de devenir des rebelles. Le corps électoral s'est composé de tous les citoyens qui font preuve de mérite en contribuant de façon substantielle à l'économie de Tropico. Ah bah ouais, payez des impôts ou sinon vous votez pas. Ah, c'est les riches ou rien, nous. Milice. Aucun niveau d'infrastructure. Les soldats doivent avoir reçu un diplôme du lycée minimum.
Les dégâts des unités augmentent de 25%. Notre réputation auprès des militaristes augmente de 20. Ah bah ouais, vas-y, c'est bon, je vais faire de l'armée là. Là, cette année, je vais faire de l'armée. C'est effectif jusqu'à 2021. Enfin, proclamation d'indépendance. Parfait. Oh, nous voilà ravis. Et voilà. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, présidente. Les plus beaux moments de ma vie. Il y a toujours les balles de l'assassin, vous savez. Il y a les gardes près de mon cœur. Qui aurait cru qu'une telle histoire ne serait qu'une simple anecdote dans la vie de quelqu'un? Mais j'ai peur de quelque chose. Si illustre que vous êtes, vous avez connu plus d'aventures que 1000 personnes réunies. Yes, oui, présidente. El presidente. Mais gardons ces histoires pour une autre fois. Pour le moment, ce bon vieux Penultimo est fatigué. Oh, ça bosse hein, dans les rues et tout. Aller se coucher. On a créé un truc quand même. De votre gloire. C'est bien les 3D et tout. C'est une cinématique adaptée à ta ville, ça. Yop, Patrick. Vous avez réussi, Presidente. La victoire nous appartient. Vous appartient. C'est un jeu, je souhaiterais un mode sans fin pour vous continuer. Mais là, du coup, t'as quoi, là? Oh merde, mission. En fait, c'est ça que j'ai pas compris dans... Bibouche, merci pour le Twitch Prime. J'ai pas compris en fait, parce que sur le dernier, en fait, tu faisais des... Donc là, la bêta, il y a que deux maps. En fait, sur la bêta, il y a que deux maps. T'as ça, sinon. Kraken, le mont Kraken. Attendez. Alors, hop. Le mont Kraken, volcan maudit dont les gisements d'or sont particulièrement riches, est au centre de cette aventure qui oblige le présidente à composer avec l'Axe. Alors que la catastrophe menace et que l'Axe veut sa part. Le présidente doit aussi déjouer les plans d'un saboteur déguisé en manchot. Bienvenue Wild Dream. Merci beaucoup pour vos soutiens les potes, merci pour les Twitch Prime et tout, ça fait plaisir. C'est très aimable à vous. Et ce qui permet de continuer tout ça et de faire de beaux projets. Je le dis de temps en temps, mais c'est important quand même, alors merci. Du coup, par rapport à Tropico, en fait moi ce qui me saoule avec ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu fais une demi... Enfin, tu fais un début de deal et ensuite, c'est fini, tu vois. Genre là, par exemple, là, l'air... En fait, c'est des campagnes, tu vois. Donc après, normal, tu peux jouer en bac à sable. C'est-à-dire, je pense, bac à sable, voilà, tu crées ton truc, tu vois ton argent de départ, et là, tu fais ta game. Tu vois, t'as ta population de départ, t'as... Est-ce que c'est... Ils sont réticents, est-ce qu'ils sont amicaux, quoi. Donc ça, c'est plus des trucs limites pour moi. Parce que là, en gros, c'était les quêtes, c'est pour un peu te faire au jeu. Mais du coup, en fait, ça me frustre, ce qui est un peu con, quoi. Les routes. Non, en vrai, j'ai bien aimé. Après, je pense, en vrai de vrai, c'est pas le. Ouais. Le foot a pas mis bien le cerveau. Non, mais oui, je pouvais continuer. Mais en fait, les missions. Tu peux continuer ta partie, mais c'est. Je sais pas comment expliquer. Mais. Non, en vrai, j'ai bien aimé.